Pourquoi tu tousses beaucoup comme ça? Ma fille, laisse mes ancêtres me prendre. Laisse-moi partir. Papa, pourquoi tu dis ça? Je vais prendre tes médicaments. Tout est déjà fini? Hein? Attends, je t'emmène de l'eau. Je t'emmène de l'eau. Attends, moi j'arrive. Merci ma fille, merci. Je n'ai pas d'argent, mais je dois t'acheter le produit. Ceci est déjà fini. Je reviens papa. Shabam. Oui. Oh, Watina. Ah. Maman, ce travail n'est pas beaucoup. Il faut le finir très vite. Hein. Oui, je dois le finir aujourd'hui. Je te crois. Oh, courage, viens-toi, ma fille. Ah, maman, je suis fatiguée, je suis fatiguée. Est-ce qu'on doit tout finir seulement aujourd'hui? Je veux rentrer à la maison, je suis fatiguée. Ah, la mozo. Ah, maman, pardon, laisse ça. Désolée. Hein? Regarde, je suis fatiguée. Écoute, si tu es fatiguée, va te reposer un peu. Oh, laisse-nous travailler un peu avant de rentrer. Maman, personne ne va se reposer ici. Oh. Regardez-la, tu ne vas pas te reposer. Ah, maman, écoutez-moi, nous allons terminer ce travail aujourd'hui. Ces champs, on va le finir. Personne ne va se reposer ici. Parce que demain, je ne viens pas. J'ai une répétition demain avec mon groupe de danse. Alors, je n'ai pas de temps. Nous allons le finir aujourd'hui. Allez, madame, lève-toi de là. Pardon, je viens travailler. Tu dis quoi? Allez, lève-toi. Toujours à ce que ta soeur dit. Dubem, qu'est-ce qui fait ça? Dubem. 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 Hey, maman. Mais pourquoi tu m'appelles maman? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Rien. J'ai besoin d'une chose. Mon père. Mon père est en train de mourir. Il est un docteur. Mais pourquoi Pourquoi tu veux les distinguer? Non, maman, arrête. Allez, viens. Laisse-le, il travaille, non? C'est ça que je te reproche, oh. Maman, arrête. Vous deviez travailler. Ok, maman, allons. Mettez-vous au travail, j'arrive. Quoi. Tu en laisses même pas une minute. Ah, maman, tu vois pas ce qu'il vient de faire. Maman, tu vois ça. Tu vois du bam comment il est. Hein? Au lieu de rester pour travailler, il a choisi de partir avec elle. Moi, je suis fatiguée. Personne ne me dérange. Ah, pardon, moi aussi, je pars. Je m'en vais. Regarde, écoute. Oh la ma. Viens, non. Fais ça, c'est peu le travail qui reste avant de rentrer. Parce que cette fille, sûrement, elle a fait quelque chose à ton frère. Maman. Peu importe ce qu'elle fait comme fétiche, je suis fatiguée, très fatiguée. Je veux plus travailler. Je suis fatiguée. On est déjà arrivé presque à la fin. Fatiguée. Désolée, non? Je ne veux plus encore travailler. Fatiguée. Je suis fatiguée, maman. Fatiguée. Mais c'est quoi ça, non? Laisse-moi. Mon cher, ça va aller. Ta fille même vient de m'appeler. Hein? Ta maladie a encore recommencé aujourd'hui. Ça ira. Elle est partie chercher de l'aide. Je n'ai plus de médicaments. Ça va aller. Mais Nad, qu'allons-nous faire? Jusqu'à quand nous allons continuer de souffrir comme ça? Et dis-moi. Ne pleure pas pour moi. Laisse mes ancêtres me prendre. Laisse-moi partir. Non. Tu ne mourras pas. Hein? Où est Deboum? Elle ne veut pas te laisser seule. Non, je peux rester là. Attends-moi, j'arrive. Prends cet argent. C'est l'argent que j'ai donné à ma mère aujourd'hui. Elle devait l'utiliser pour la nourriture. Mais pars acheter des médicaments. Cela est plus important que mon estomac. Merci. T'inquiète, hein? Après avoir fini, je vais te remettre cet argent. Comme ça, tu vas le donner. Non, tu n'as pas à te déranger. Les médicaments que tu dois acheter sont beaucoup plus importants que notre estomac. Juste pas. Merci. Mieux vaut mourir de faim dans cette maison que laisser ton père mourir. Non. Ça, c'est pour montrer l'amour que j'ai pour toi. C'est mieux comme ça. Hey, arrête-toi là-bas. Tu vas où? Naï, bonjour. Bonjour. Tu vas où? Je peux acheter les produits pour mon père. Sa maladie s'est aggravée maintenant. Tu vas bien? Tu n'as pas le damachat aujourd'hui? Non, je ne suis pas partie. Maman et moi allons finir ça demain. T'inquiète, nous irons là-bas. Je vois que tu es malade. Tu as quoi dans la main? Donne-moi cet argent. Non, c'est l'argent du produit de mon père. Donne-moi cet argent. Naï, pardon. Je vois que tu es malade. Donc j'ai fait une erreur pour t'avoir payé tout l'argent. Je t'avais payé tout ton argent. C'est pourquoi tu es en train de faire ceci. Donne-moi cet argent. Non, je vais finir ce travail demain. Si tu finis le travail, alors je te payerai. Donne-moi cet argent. Donne-moi l'argent. Apporte-le. Donne-le-moi. Hein? Naï. Tu ne vas nulle part aujourd'hui à moins que tu me remets l'argent là. Quand tu finis le travail, je te payerai. Mais maintenant, donne-moi l'argent là. Remets-le-moi. Je vais le faire demain. Tu vas faire quoi demain? Tu ne vas nulle part. Ton père peut mourir et je m'en fous. Quand tu finis le travail, je te payerai. Mais maintenant, donne-moi l'argent là. Hein? Remets-moi l'argent. Naï, c'est pour écouter de mon père. Naï, oh Naï, non, Naï. Tu verras quel travail demain. Naï, je vais le faire demain. Je vais le finir. Non. C'est ce que tu as toujours dit. Je le ferai demain. Demain n'est jamais arrivé. Remets l'argent. Ok. Sors-le. Donne-le-moi. Remets l'argent. Remets-le-moi. Oh. Remets-moi l'argent. Donne-le. Non, c'est pas bien. Oh. Hey. Mais non. Hey. Vous voyez? Tu m'as fait tomber, hein? Attends-moi à la maison. Ah, mais Réo. Aïe. Aïe. Mais Réo. Angela. Hey, encore le bailleur. Oui, Angela. Bienvenue, monsieur. Angela, où est ton mari? Oh, mon mari n'est pas là, monsieur. Je sais. Je suis allé à la maison et je ne l'ai pas trouvé. Et il continue à rejeter mes appels. Oh, désolé. Oh, oui. Il a voyagé, il est allé au village. Et là, il doit voir le gouverneur. Mm-hmm. Le gouverneur. Ça, c'est ce qu'on m'a raconté depuis. Il a été voir le gouverneur. Je ne veux pas savoir où il est parti. Il a été voir le gouverneur. Qu'il aille même voir le président. Tu veux me dire que ton mari a des relations avec le gouverneur, mais il n'arrive toujours pas à payer les loyers. Et ça fait 6 mois maintenant. Avertis ton mari. Angela, avertis ton mari. De toute façon, j'ai déjà amené le dossier au parquet. À la prochaine occasion, il sera ridiculisé. Juste avertis-les. Ah ah, regarde le bailleur, calme-toi, non? Hein? Pas jusqu'à ce point quand même. Mon mari, c'est un politicien. Et tu le sais. C'est parce qu'il n'a pas encore payé ta maison qu'il est pauvre. Comprends-lui, hein? Juste donne-lui un peu de temps, il va payer ta maison. Ah! Angela, je peux voir que le problème entre ton mari et toi, c'est l'orgueil et le mensonge. Juste dites aux gens que vous avez des problèmes et les gens pourront vous aider. Et non leur dire que vous êtes politicien et toutes sortes de bêtises, toutes ces bêtises. Vous vous surestimez beaucoup. En tout cas, humiliez-vous pour que les gens vous aident. Avertis ton mari. Sinon, il paiera cher la prochaine fois quand je serai ici. Angela. L'argent, tu ne seras jamais en paix, Ego. Si mon mari Tchenko avait vraiment l'argent, cet homme allait avoir le courage de dire des blabla ici. Hein? Ah, ce n'est pas de ta faute. Ce n'est pas de ta faute. C'est parce que tu me vois en train de vendre le pétrole. C'est pourquoi tu prends le courage de te tenir devant moi et commencer à dire n'importe quoi. On verra bien. Ego Kambotora Rishi. Pas de problème. Ça c'est pour l'argent que tu me devais. Hein? Si tu as besoin de médicaments, hein, va prendre de l'argent. Sinon, il n'y a pas de médicaments pour toi. Hey! Oh, pardon. S'il te plaît, je t'en prie, pardon. Mon père est très malade. S'il te plaît, demande les produits. Je vais te payer. Bientôt, s'il te plaît, pardon. Il n'y a rien que tu me diras que je vais accepter. Oui, rien. Écoute, laisse-moi te dire. Si tu as besoin de médicaments, va prendre de l'argent. Je suis fatigué avec toutes ces bêtises. Oh. Hey! Ok. S'il te plaît, oh. C'est mon ami, s'il te plaît, tu mets toujours non. Pourquoi tu refuses aujourd'hui? Parce que je ne veux pas être le nettoyeur d'une voiture pendant qu'une autre personne la conduit. Oh bah non, ça ne marche pas comme ça. Tu sais même, ça ne va pas marcher. Écoute, va rencontrer Dubem, qui te donne de l'argent pour les médicaments. Après tout, c'est lui qui profite de toi, pas moi. Hein? Écoute, laisse-moi te dire, à chaque fois que tu n'auras pas l'argent pour les médicaments, n'ose même pas venir ici chez moi. D'ailleurs, n'ose même pas me regarder de loin. Sinon, tu ne vas pas aimer. Kodo. Oui. Je vais faire quoi pour avoir les médicaments maintenant? Eh eh, maintenant que tu parles, te voilà en train de parler. C'est très simple. D'ailleurs, c'est moi qui ai toujours traité ton père. Savez-vous combien vous me devez? Beaucoup. Eh eh, très bien parlé. Tu vois? Attends. Oui. Voilà le médicament. Hein? Tu en auras, ça t'appartient déjà. Juste un round. à l'intérieur ici. Et c'est tout. Juste un. Un seul, pas deux. Ok, Choco. Oui. Donc tu veux coucher avec moi à l'intérieur? Ah, ça va faire quoi? Juste un. Un seul. Tu vas me tuer. Toi, hein? Pourquoi tu es comme ça? Ça me fait du bien. Ah, mais tu as besoin de médicaments, non? Pourquoi ça? Juste un rando, voilà pourquoi je te donne tout ça. Prends ça. En tout cas, merci pour tout. Oh. Pas de problème. Merci. Oh. Un seul. Hein? Tu es prête? Suis-moi vite. Je vais emmener ça à l'intérieur. Prends tout ce que tu veux. Viens. Viens ici. Viens. Hey. Ok, Choco. Hein? Tu es vraiment un homme fou. Hein? Pourquoi tu dis ça? J'ai dit que tu es vraiment fou. Tu veux, qu'est-ce que tu veux faire? Hey, tu m'aimes. Hey, tu m'aimes. Ok, ne t'inquiète pas. Je viendrai chez toi. You can only be one person, you no go fit be all. Oh, nah. You can never please everybody, oh, at the same time, oh. Oh, yeah. On your children, you know. On a side, you know. On your dozen, you know. I can't change me. Hey! Qui vais? Tu me vois. Shevchenko. Me voici. Le seul politicien dans notre communauté. Hein? Me voici. Celui pour qui le soleil s'est levé. Tu peux répéter ça. Tu peux répéter ça. Tu es le bienvenu. Adibé, nous kéké. Et le seul homme que personne ne peut hériter. C'est moi. C'est moi. Comment vas-tu? Je vais bien comme tu me vois. Ça c'est bien. C'est ça. Ça c'est bien. Tu viens juste d'arriver? Oui, je viens juste de rentrer. Je viens d'arriver. Ok, tu es le bienvenu. Où vas-tu comme ça? Ah, Shevchenko, les dieux ont refusé de nommer le prochain roi de cette communauté. Donc nous étions allés faire l'exposition espérant que dans un mois, les dieux annonceront le prochain roi de cette communauté. Prochain mois? Ouais. Adibé. Oui. Peux-tu venir avec moi chez moi? Ah, immédiatement. Ozubo. Je suis prêt. Monte dans la voiture. Je le ferai. Monte dans la voiture. Shevchenko. Shevchenko. Tu es là? Oui, maman, bienvenue. Papa, j'ai eu ton médicament. Merci. Que Dieu vous bénisse, ma fille et ma femme. Que ferais-je sans vous? Oh, papa, c'est rien du tout. D'ailleurs, maman, si je te dis ce que j'ai vécu aujourd'hui, entre les mains du papa d'Ibé, tu ne vas pas croire. Il m'a barré la route. Il m'a dit que je ne partirai pas si je ne lui donne pas l'argent qu'il nous avait payé. Es-tu fou? Mais qu'est-ce qui ne lui va pas? Il a dit qu'on a abandonné son boulot. Hein? Et en effet, je suis allée au shop d'Ike. Et il s'est aussi mal comporté. Ok, Chico s'est mal comporté. C'est quoi leur problème? Il a dit si on ne fait pas son travail, on doit lui remettre son argent. Ma fille, je sais quoi? Demain, je promets, on doit finir ce travail. Obligé. Demain sans faute, oui, maman, on en finira. Hé, Ichadjibi. Hein? Ça, c'est pour toi. Hein? C'est pour te souhaiter le bienvenu. Merci beaucoup. Merci. Iche. Ouais? Tu as dit quelque chose quand nous étions en route pour rentrer chez moi. Peux-tu me donner un peu plus de détails? Shevchenko, tout d'abord, je te dis merci pour la boisson. C'est un plaisir. Mon frère, nous avons vu le pire aujourd'hui. Si ce n'est pas que les dieux ne sont pas à blâmer, j'allais blâmer les dieux aujourd'hui. Dis-moi, quand les dieux ont-ils annoncé le prochain roi de cette communauté? Quand? Je sais pas. Iche, ça m'intéresse vraiment. Oui, je suis vraiment intéressé. Parce que si ce n'est pas moi, certainement, ce n'est personne d'autre. J'ai beaucoup fait pour cette communauté. Tu as raison. J'ai beaucoup fait pour mon peuple. C'est vrai. Je le mérite. Oui, je le mérite. Ichechenko, tu sais comment ça se fait ici. C'est seuls les dieux qui peuvent nommer le prochain roi. À part les dieux, personne d'autre ne le fait. Bien sûr. Ok. Qu'est-ce qu'on fait? Je sais pas. Ne pouvons-nous pas parler à Owen? Il est le chef du cabinet. Ne pouvons-nous pas parler à lui? Je suis désolé, il ne peut rien faire à ce sujet. Par ailleurs, j'ai appris que tu regagnes le village. Exactement. Exactement. Je suis même à la recherche de certaines personnes qui m'aideront à nettoyer cette maison et ses alentours. C'est une bonne nouvelle. Je dirais à ma fille de t'apporter de la nourriture le plus tôt que possible. Oh. Ça sera très gentil de ta part. Pourquoi sommes-nous des amis? Iche. Ouais. Tu es récompensé. Si on me désigne comme le roi de cette communauté, inéluctablement, tu seras mon agent. Shevchenko, distributeur de pétrole et de gaz. Pétrole et de gaz. On verra bien. Oh bébé. Oh, désolé de t'avoir fait attendre comme ça. Hein? Oh, allez, c'est moi plutôt de présenter des excuses. Salut. Ok. Salut. Manuela. Wow. Oui, asseyez-vous. Hey, chérie. Bébé, comment tu vas? Je vais bien, merci. Ce sont mes amis, nous vivons ensemble. Oh, c'est bien. Je pensais que vous pouviez m'accompagner, tu vois. D'accord. Bienvenue. Les filles, faites vos commandes. Vous pouvez prendre tout ce que vous voulez. Ok. Peut-on se voir un peu dehors, juste pour une minute? Ok, bien sûr. Après toi. D'accord. commandez tout ce que vous voulez. J'ai dit tout ce que vous voulez. Bébé, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi es-tu venu avec tes amis? Tu sais comment sont les choses pour moi, mais tu ne veux pas me comprendre. Mais que veut dire cette question? Hein? Tu m'as appelé pour m'inviter à sortir et j'ai décidé d'appeler aussi mes amis. Est-ce que ça cause un problème? Ah, c'est un grand problème. Tu aurais pu me dire afin que je me prépare en conséquence. Tu ne peux pas juste imaginer comme ça et les amis, et elles t'ont même suivi. Azen-moi. Surtout ne me ridiculise pas. Dès qu'on retourne à l'intérieur, il faut que tu te maintiennes. Ah, moi je ne peux pas me maintenir. Oh. Azen-moi, il ne faut pas te foutre de moi. Me maintenir? Oui. Comment pourrais-je me maintenir? Est-ce que j'ai de l'argent pour me maintenir? Je ne peux pas me maintenir ici, moi j'ai pas assez d'argent. Mais tu as ta ATM. Alors pourquoi est-ce que tu te plains? Tu te plains de quoi au juste? Je te le répète encore, ne te fous pas de moi. Sinon, ce sera la fin de cette relation. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle tu m'as fait sortir ici. Donc ce n'est pas une raison pour t'appeler dehors. Ah, pitié, rentre dedans et allons jouir. Et nous jouir. Allez, allons, mignon garçon, allez. Je ne sais pas pourquoi nous souffrons comme ça. Hein? Hein? J'en ai marre. Assez. Peu importe l'intelligence qu'on peut avoir sur cette terre, personne n'en sait rien sur ce que l'avenir nous garde. Nous ne sommes pas créés par nous-mêmes, mais quelqu'un l'a fait. Bon après-midi. Maman, bon après-midi. Bon après-midi. Papa, comment ça va? Je suis tel que je suis. Oh, grand enfant de ce village. Je peux ressentir la lumière dans ton cœur et le fait que tu sois heureux. Papa, tout le monde qui te voit a toutes les raisons d'être heureux. Mmh. Oui. Maman, comment ça va? Est-ce que je t'ai dit que j'étais malade? Allez, laisse-moi calme. D'où même? Papa? Elle est juste derrière la maison. Va la voir. Merci papa, merci. Femme, la haine est comme une maladie. Surtout quand tu veux haïr un innocent. Mon cœur. Ah, mon cœur. Hé, hey, tu es en train de dormir. T'as acheté les médicaments? Oui, j'ai acheté. Ok. Tu vois ce garçon, Kechuku? Nous devons lui donner une leçon. Qu'a-t-il fait? Kechuku est en train de me ravir l'argent. Hein? Il m'a dit que je devais d'abord lui payer avant de prendre un autre produit. Ah! Pourquoi ferait-il ça, non? Hein? Pourquoi ce garçon est comme ça? Il m'a même dit d'entrer à l'intérieur, qu'il couche avec moi avant de me donner les produits. Hein? Ok, tu as fait quoi? Il m'a dit d'entrer et qu'il couche avec moi avant de me donner les produits. Ok, Tchoukou. Ok, Tchoukou. Tu veux goûter ma femme? Tu veux goûter ma femme? Ok, Tchoukou. C'est ça, bien sûr. Ces garçons n'ont pas peur. Hein? Mon bien privé. Il veut la voir. C'est vraiment ça, je te jure. Ok. T'en fais pas. En ce qui le concerne, hein? J'acclame pour lui. Tu vois ces garçons? Je vais m'occuper de lui dans ce village. Bien. Qui est-il? Il est fou. Il veut goûter ma femme. Avec sa sale bouche. Avec sa sale bouche. Oui. Laisse-moi Oketsuko. Laisse-moi Oketsuko. En ce qui le concerne, t'en fais pas. Oketsuko, où que tu sois, commence à pleurer. Ah oui. Où que tu sois maintenant, commence à pleurer parce que ce que je vais te faire, c'est que je te ferai. Désolé, et ton nom? Laisse-le moi, t'en fais pas. Il me ravissait vraiment l'argent comme ça. T'en fais pas, laisse-moi. Ah, ah, tu n'as pas lavé ça? Je suis fatiguée, très fatiguée. Ma chérie, ce repas est très délicieux. Je te jure. Je vous dis, cette soupe est très bien faite. C'est tellement épicé. On a tout mis. Les piments, la ciboulette, ça va vraiment bien. Vraiment, ça fait du bien avec la bière. Oh, toi, tu es lu dans mes pensées. Ne t'inquiète pas, on va faire des emportés. Ce n'est même pas un problème. D'accord. Désolé, est-ce qu'il y a des crevettes dans la nourriture? Non bébé, il n'y a pas de crevettes. Ils n'en ont pas mis. C'est comme s'il y a des feuilles vertes, je vois des feuilles vertes, c'est comme des légumes. Ouais, il y a des légumes. C'est bon pour la santé. Les légumes sont bons pour la santé. Exactement, c'est bon pour le sang. Ouais. Est-ce qu'il y a du piment dedans? Piment. Parce que je n'aime pas ces piments. Oui, il y a du piment, mais ce n'est pas beaucoup. Tu veux goûter? Bien, je n'aime pas beaucoup de piment. T'en fais pas, il n'y en a pas beaucoup. Goûte. Bébé, ça va toi? Désolée, doucement. Qu'est-ce que ça va? Allez, de l'eau, doucement. Bébé, pourquoi tu l'as encore appelé? On m'a fait appeler. Comme nous mangeons déjà, je pense que ça va. Tu n'as plus besoin de l'appeler, non? Non bébé, ce n'est pas ça. Nous ça va, mais je veux quelque chose à emporter. À emporter? Oui bébé. Apportez-nous d'autres bouteilles à boire. Dites aussi à la cuisine de préparer un autre plat de poisson braisé. Nous le prenons en emporté. Bien noté, madame. Merci. Bébé, tu sais qu'elles ont du barbecue ici parce que... Il y a non, monsieur. Est-ce que vous n'avez pas de barbecue? Il y a non, madame. Bien, dites-leur d'en faire. Et le plus gros de préférence. Ok, madame. Merci. De rien. Bébé, t'es sûr que ça va? Yes. Allez chérie, bois aussi ça, bois. Ça ira, ça va t'aider je pense, allez. Et vous les filles, ça va comme vous voulez, ou bien vous voulez quelque chose d'autre? Sors de la voiture. Allez, ferme-moi cette portière et ramène-moi à la maison. Sors de ma voiture, je vais te gifler au... Allez, remonte et ramène-moi à la maison. Ok. Idiot. Sors. Allez. Sors de ma voiture. Sors. Sors vite. Allez, lâche-moi. Va-t'en. Après tout l'argent que j'ai dépensé pour toi, te voilà en train de jouer la fille classe. Quel argent t'as dépensé pour moi? Hein? Qu'est-ce que t'as dépensé? T'as même pas les moyens pour acheter la perruque que je porte. Hein? T'appelles ça une voiture? Les gars de ton âge conduisent des Rolls-Royce. Et toi, tu es ici à me parler de voiture? T'appelles ça une voiture? Je ressemble à un Père Noël pour toi. Non, tu es une Mère Noël, tu n'es pas un Père Noël. Espèce de faux rien, idiot. Allez, dégage d'ici avec ta carcasse. Regardez-moi ce jouet. Tu appelles ça une voiture? C'est pour ça que tu fais la gueule? Allez, va te faire foutre, espèce d'animal. Un sale petit porc comme ça qui a eu la chance de me fréquenter. Moi, une fille aussi classe, devant qui tu veux faire la gueule pour une soi-disant voiture? Viens encore l'ouvrir. Allez, dégage d'ici avec ta voiture. Et puis, hein, tu as de la chance. Tu es chanceux que je ne t'ai pas explosé ton pare-brise. N'importe quoi, descends de ma voiture. Ouh, regardez-moi ce rein vaurien. Animal, ce n'est pas ta faute, hein. Regardez-moi cet idiot, une aussi jolie fille comme moi qui traîne avec toi, tu n'es même pas content. Qu'est-ce qu'il y a? Hey, fou! Fou! N'importe quoi. Tu fais que tu bruis avec ton klaxon. Quand on voit aussi avec une Rolls-Royce, une Benz, une Jeep, achète-toi une limo. Fou! Comment chez moi pour rentrer à la maison maintenant? Ne t'en fais pas, je saurai comment te faire payer ça, idiot. Tous ces habits sont très sales. Trop sales même. Hein? Hé! Hey. Pourquoi tu les gardes comme ça? Dis ben, ça ce n'est pas l'odeur de mes essais. Quelqu'un d'autre apporte ça. Ce n'est pas vraiment mon odeur ça. Ce n'est pas ça. Comment peux-tu porter tous tes habits sans les laver? Presque tous les habits. Doubem, pourquoi tu dis ça? Tu sais que je suis occupée, non? Tu sais pas que je travaille? Mais tu es censé laver tes habits, non? Mais sinon, lequel tu vas porter? Je le sens. Celui qui est propre, je le mets. Comme ça, je lave un autre. Après, je vais le mettre après. Regarde, voilà ce qu'on va faire. Juste va prendre le seau. Comme ça, on le lave maintenant. Pendant que tu seras en train de porter celui-ci. Étale les autres, ça va sécher. Comme ça, demain, tu auras un autre pour porter. Oh. C'est quoi? Hein? Tu as encore commencé? C'est mieux, c'est mieux. Comme ça, tu ne seras pas en train de chercher un habit que tu vas porter. Tu as raison, mais je suis très fatiguée, oui. Je vais t'aider. Je vais t'aider à les laver. Oui. Dis-moi, par lequel commencer? Cet habit a été porté par qui? Je ne comprends pas. Qui d'autre les porte? Hein? Oh. Sens un peu ça. Ça pue tellement. Je vais qui est là? Qui est ici? Chebem? Qui est ici? Chebem? Ok. Maman Chebem, je te salue. Bienvenue. Où est Chebem? Qu'elle vienne ici maintenant. Sinon, tout le village va nous entendre. Je ne peux jamais permettre ces bêtises. Oui. Ok, qu'est-ce qu'il y a? Hein? S'il te plaît, calme-toi. Tout ça, c'est à cause d'argent. Je t'ai déjà dit qu'on va te retenir. Ce n'est pas l'argent. Oui, ce n'est pas l'argent. Elle est venue dans ma boutique, elle a pris le médicament et elle s'est enfuie. Dis-moi. Chebem, tu comptes Chebem? Maman. Ok, Chuku, que fais-tu ici? Question. Aujourd'hui, tu vas comprendre. Où est mon argent? Chuku Chebem. Maman. Comment tu peux entrer dans sa boutique et prendre ses articles et fuir? Tu sais ce qu'on fait des voleurs dans ce village? Dis-lui. Chuku Chebem. Je suis venu dans ta pharmacie. J'ai pris tes médicaments et j'ai fui. Ou plutôt, je suis venu dans ta pharmacie quand Doubel m'a donné l'argent. Et j'ai payé pour ces médicaments. Et toi, tu as essayé de me violer. C'est pour ça que je m'en suis enfoui. Pourquoi tu peux mentir comme ça? Hein? Ok. Tu voulais violer ma fille? Moi? Tu voulais violer ma fille, hein? Il est là. Ok, Chuku. Qu'est-ce que tu fais ici? Donc tu veux ta mort? Tu as eu le culot d'essayer de goûter ma femme. Hein? Tu voulais goûter ma femme. Ok, Chuku. Chebem, c'est ce que tu l'as dit? Ce n'est pas ce que tu as dit que je suis venu voler les médicaments là-bas. N'est-ce pas ce que tu as dit? Hein? Marguerite. Ah! Chebem, tu voulais violer ma fille, hein? Ok, Chuku. Va-t'en d'ici. Écoutez, vous feriez mieux d'aller à l'intérieur et me donner mon argent, oh? Quel argent? Je veux mon argent maintenant. Quel argent? Je veux mon argent maintenant, sinon. De quel argent parles-tu? Donnez-moi mon argent, oh! Hey! Ok, Chuku. Quitte ici. Hein? Va-t'en d'ici, à cause de mon argent. Je ne bouge pas. Je ne bouge pas. Pas question. Moi, je te parle, tu... Hein? Tu vas voir. C'est bon comme ça. Tu verras, c'est bon pour toi. Attends. Qu'est-ce que la dernière fois que tu vois ce genre de choses? Allez, bon. Tu vas voir. Attends, tu verras. Laisse-le, c'est bon. Chérie, merci beaucoup. T'es un vrai homme. C'est bon, pas de problème. Madame, c'est ça votre sachet. Oh, merci ma belle. Monsieur, alors, c'est ça l'addition. Que je vois. « 12 500 ?» Seulement, monsieur. Bébé, paye ce moyen, on y va, hein? Oh, ma chérie, ce garçon ne s'est pas du tout libéré, oh. C'est un égoïste. Ah, je pense qu'il est en train de pleurer maintenant. Vous de là, on dirait qu'on n'aurait même pas de conscience. J'ai vraiment pitié de ces pauvres garçons. Toi, tu sais s'il a l'argent ou pas? Vous voulez l'obliger? Hein? Après tous les repas que tu as pris. Eh, pardon. Eh... Ah, bébé. Oui, chérie. Mais je vais demander, hein, as-tu vraiment besoin d'emporter, puisque c'est quelque chose que tu as déjà mangé? Dois-tu encore emporter à la maison? Que veux-tu dire au juste par ça? Est-ce que je mange cela avec ta bouche? Hein? Non, non. Ah, pardon, règle la note et tu me rejoins dehors. Désolé, vous avez un point de vente ici? Oui, monsieur. Oui, monsieur. Désolé, laisse-moi déposer ma caméra. Je veux aller voir ma fille. Êtes-vous sûr de revenir? Bien sûr, je vais revenir. Hein? Tu sais que le total de tout, c'est 12 500. Ils ont commis une erreur. C'est 12 ou 12 500. D'accord. Est-ce que je suis la seule à avoir un petit ami dans cette ville? Mais c'est quelle humiliation, ça? Non, ce n'est pas ça, ma chérie. Tu ne veux même pas comprendre ce que j'essaie de dire. L'argent que j'ai sur ma carte magnétique n'est pas beaucoup. Aise-moi, tu es un très grand menteur. Toi et moi, on sait très bien que tu as assez de cash sur toi. Alors arrête cette comédie. Prends ce poisson. Garde-le. Que je le retourne? Le retourner, mon œil. Le retourner, que ça te tue même. Tu vois ce poisson. Si tu ne me l'emmènes pas à la maison cette nuit, hein, n'appelle plus jamais mon numéro. N'essaye même pas un peu. Allez, donne-moi l'argent pour le taxi. Pour ton taxi? Ha. Moi, je n'ai pas d'argent pour le taxi. N'est-il pas mieux que tu prennes de la tricyclette? Ta maison n'est pas loin, non? Prends de la tricyclette ici, tu vas descendre au carrefour. Ma chérie, s'il te plaît, ce n'est pas un sujet pour lequel on doit débattre ici. Hein? Dégageons d'ici, avant de perdre mon poisson que je viens de manger à peine. Seigneur, mais je rêve ou quoi? Pardon, je m'en vais. Te rends-tu compte du genre d'humiliation que je subis de la part de l'homme que j'appelle petit ami? Aide-moi, donne-moi l'argent du taxi. Donne-moi 3000 naira pour le taxi. 3000 dounars? Où est-ce que je vais trouver 3000? J'en ai rien à faire. Peu importe de l'endroit où tu vas le chercher, moi tout ce qu'il me faut c'est de l'avoir. S'il te plaît, ne fais pas ceci. Ce n'est pas juste, ce n'est pas juste. C'est la dernière liquidité que j'ai et tu veux encore la prendre. N'ai-je pas essayé? Tu fais ceci à cause de mon amour pour toi ou quoi? Prends de la tricyclette ici, on va te déposer devant ta maison. Aide-moi. Moi, Sandra, je ne veux pas prendre les kékés parce que ça va déchirer mes vêtements. Donne-moi 3000 naira, s'il te plaît. Tu ne veux toujours pas comprendre ce que je suis en train de dire. Où est-ce que je vais trouver 3000? Hein? Donne-moi mon argent, non, hein? Je travaille ici dans le privé. Et ici, nous ne donnons rien en crédit. Alors donne-moi mon argent, comme ça je vais aller faire autre chose. Je sais, mais patiente un peu pour entendre ce que j'ai à dire d'abord, hein? Tu vois, j'ai 6000 naira ici. 6000 quoi? naira. Oh gars, tu nous dois 12 500 naira seulement. Alors donne-le-moi. Ok. Regarde, puis-je... Écoute, s'il te plaît, laisse-moi. Je te promets, si je donne les 6 000 naira, je reviendrai après pour payer le reste. Oh gars, ce que tu dis là, ce n'est pas acceptable. D'ailleurs, je vais maintenant le dire à notre gérant. Alors tu vas nous laisser, c'est ça qu'on gage. Ah, tu vas le récupérer quand tu vas nous payer notre argent. Pas possible. Ah, c'est mon seul et la terre. Oh. Ah, comment dis-tu que je dépose ma caméra? D'ailleurs, allons chez notre gérant. Tu penses que je suis en train de blaguer, hein? Soit tu me donnes ces sacs ou tu vas chez notre gérant pour t'expliquer. Calme-toi, ce n'est pas encore jusque-là. Oh, regarde, donne-moi l'argent, sinon on va dans le bureau du gérant. Attends, s'il te plaît. Allez, donne-le-moi. Donne-le-moi, s'il te plaît. Ou bien tu vas le dire au gérant. Maladie principale va se casser. Allons-y, facteur. S'il te plaît. Oh, regarde, regarde, tu veux crier, oh. Nous sommes dans une place commerciale. Ok, allons chez notre gérant. Attends, on ira voir le type. Allons chez les gérants, oh, gars. Arrête de me faire passer des temps. Allons-y. Attends, non. Laisse la caméra. Allez, partons dans le bureau. Nawao. Et qu'est-ce qu'on fait alors maintenant? Honnêtement, ma fille, je ne sais pas. Je ne sais vraiment pas. Je le disais à ton père, mais il ne voulait pas m'écouter. Il continue de me dire que l'argent viendra. Ça viendra. Mais quand? Hey, mais aujourd'hui, il n'y a que des mauvaises nouvelles ou quoi? Hein? Et de mon côté, j'ai eu droit à ce stupide et idiot chargé d'arrogance qui a voulu m'humilier aujourd'hui. Hein? Cette journée aurait été chargée de plus de honte qu'il y en a. Sincèrement, je suis dérangée tout le jour. Jusqu'à quand allons-nous vivre sur les standards que nous nous sommes donnés? Hein? Ton père est occupé avec la politique. Hein? Cependant, il n'a pas d'argent. Il fait devenir les égouts de notre communauté alors qu'il n'a pas d'argent. Je ne comprends pas. Moi, je vois là où papa veut en venir. L'apparence, c'est tout ce qui compte aux yeux des gens. Laisse-le paraître. Tu n'as pas besoin de dire au monde qu'il n'a plus d'argent, maman. Hein? Tu veux qu'il devienne monsieur tout le monde, quelqu'un d'ordinaire? Nous sommes encore debout, maman. Nous ne sommes pas finis. Hein? Faut que papa sauve les apparences, pardon. Moi, je peux pas non plus faire comme si on n'a plus d'argent. Je continue à clamer qu'on a du fric. Hein? Et puis, hein, attends un peu. Est-ce que tu viens de dire que papa va bientôt devenir le Igwe, le roi de notre village? Hey, donc alors moi je vais bientôt devenir une princesse. Princesse Amuma. Et toi, Lolo première. Allez, laisse tomber. Ah, ah, Lolo, non. Écoute ça, Lolo première. J'ai trop hâte. Ce sera tellement formidable. Et moi qui vais me comporter en princesse. Tu vois, non, Lolo? Ah, mais à part ça, maman, je viens d'arriver. J'ai faim. Il n'y a rien à manger dans la maison. Hein? Maman Nkechi? Non, tu vas prendre quoi? Maman Nkechi, s'il vous plaît, une bouteille de Fanta et des galettes. Tu vas les payer toi-même parce que moi, je n'ai pas d'argent pour ça. Hey. Ah, la vie. Oh là! Oh là! Allez, sors, nous sommes là. Allez, sors de ta maison, nous sommes là. Ah, bonjour. Bonjour. Oudjou. Hein? S'il te plaît, va prendre ton argent à l'intérieur. Hein? Quel argent? Va prendre ton argent. Mais quel argent? Est-ce que tu m'as donné de l'argent? Oh là. Qu'est-ce qui se passe ici? Maman, bienvenue. Nous sommes venus prendre notre argent pour nettoyer le ruisseau aujourd'hui. Est-ce qu'elle était au courant? Maman, nous ne l'annonçons plus à personne. Oui. Et chaque fille dans ce village le sait très bien. Donc qu'elle aille à l'intérieur, qu'elle apporte l'argent et on y va. Quel argent? Moi je n'ai pas d'argent. Oh là. Qu'est-ce qu'il y a? Va prendre l'argent. Arrête de me pointer du doigt. Oh là. Oudjou. Moi je n'ai pas d'argent. Et je n'ai aucune dette. Juste entre là-bas et prends ton argent. Mais maman, on n'a pas d'argent, non? Mais il y a l'argent. Regarde, l'argent que ton frère m'a laissé ce matin. Il y en a là-bas. Dépêche-toi vite. Prends l'argent. C'est quoi ça? Apporte ça. Oh là. Attends, va là-bas. Qu'est-ce que c'est ça? Elle sait qu'elle parlait pam pam pam. C'est juste à cause de cet argent. Tu vois ce qu'elle fait, ce n'est pas de ta faute. C'est juste à cause de ces petits qu'elle voulait embarrasser ma fille ce matin. Allez, faites attention, hein. C'est quoi ça? Oh, désolé, ce n'est pas ça. Nous ne sommes pas ici pour embrasser qui que ce soit. Excusez-nous, c'est un accident. Maman, j'ai mis l'argent là-haut. Je n'ai pas vu d'argent. Sur mon lit? Mais j'ai regardé sur le lit. Attendez, je le cherche. Ça, c'est quoi? Maman l'impôt, des troubles faits. Tu veux te faire remarquer? Si tu avais l'argent, pourquoi ne pas payer? Pourquoi ne pas payer? J'ai pas d'argent, Oudjou. Retenez bien que j'ai pas d'argent. Aucun sens. Bonsoir, monsieur. Oui. Bonsoir, mon amour. Aloma, comment vas-tu? Je vais bien, merci. Bienvenue. Merci beaucoup. Tu m'as pas dit que tu t'es en train de venir comme tu me dis avant. Oh, ma chérie, je suis vraiment désolé pour ça. En fait, tu sais, tu m'as manqué. Tu m'as manqué. Ça c'est bien. Tu sais, j'étais au siège du gouvernement et de là, je suis venu directement au village. Oui. Tu es la bienvenue. Merci. Je t'en prie. Mon père m'a dit de vous apporter ceci. C'est la nourriture. C'est moi qui l'ai préparée. Tu l'as préparée? Ça, c'est bien. Ton père m'en a déjà parlé. S'il te plaît, va me mettre ça dans une assiette. Ok, monsieur. Provoque-moi. Écoutez, hein. Revenez après. Tu vas maintenant ça? S'il vous plaît. Laissez-moi bien les chercher, oh. Ce n'est pas à moi seul le fait de prendre la décision. Nous devons en discuter. On n'a qu'à rester là. On va rester là. Oudjou, qu'est-ce qui se passe ici? Grand frère, bonne arrivée. Bonjour. Nous sommes en train de collecter l'argent et vous savez pourquoi? Ce sont les filles de notre communauté. Ils ont dit, oh là, le droit de venir à la rivière pour puiser de l'eau. Elles ont demandé de payer 500 naira. Je voulais les payer, mais j'ai de chercher l'argent que tu m'as laissé le matin sur le lit, mais je ne trouve pas ça. Maman, je l'ai utilisé. Je vais te rembourser après. Oh, pourquoi non? Toi maintenant, ce qui nous arrive. Maman, je l'ai utilisé pour faire quelque chose. Je vais te le rembourser. Hein? Je vais te le rembourser après. Oh là, s'il te plaît, amène-nous quelque chose comme gage. Pourquoi ne partez-vous pas? Pourquoi ne pas partir? C'est de quoi tu parles aussi, toi? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est quoi? Moi, j'ai rien à leur donner. J'ai dit, j'ai rien à leur donner. Je vais rien leur donner. Oh là, entre là-bas et attends que tu rentres chez vous. Et il n'y a pas d'amis. Maman, je vous respecte. Qu'est-ce que tu peux faire? Tu feras quoi? Oh là! Maman, laisse un peu la bagarre. Laisse ça, on va seulement se bagarrer. Hein? Tu bagarres avec toi? Non, je veux seulement t'attraper juste de ça. Il n'y a pas question de se battre ici. Elles ont besoin d'argent. En tout cas, oh là, tu commences à exagérer. Je prends l'un de tes vêtements et puis tu leur donnes. Laisse que la paix règne. Oh là, tu nous fais perdre du temps. On doit encore aller quelque part. Elle va vous donner quelque chose. Pourquoi tu parles comme ça? Oh là. Vous n'écoutez pas. Mais c'est quoi ça? Tu les fais exprès ou quoi? Quelques vêtements, donne-leur pour qu'on reste en paix. Ne faut pas aller là-bas pour nous amener des vêtements troués. Elle a déjà entendu. Elle a déjà pensé. Qu'est-ce que ça fait? Je donne ce que j'ai. Si tu veux pas, tu laisses. Tu n'as qu'à laisser là. Et moi, je m'en fous. Ok. Oh là. Ah, ne lâchez pas. Voyons voir ce qu'elle va nous emmener. Ma belle chérie. C'est bon. C'est délicieux. Chief, pourquoi tu fais toujours ça? Quelqu'un nous attrapera un jour. Qui va nous attraper? Personne ne nous attrapera. Écoute-moi. Ton père est mon très bon ami. En fait, même si cela va au-delà, pas de problème. Je vais t'épouser. Et paye ta dot. C'est tout. Hein? T'inquiète pas. T'inquiète pas, hein? Tout ira bien. N'oublie pas que je deviendrai bientôt le Igwe de cette communauté. Oui. Nous avons un très bon plan. Ou as-tu oublié notre plan? Oui, je sais, mais mon père m'a dit qu'on n'a pas encore besoin d'un roi ici au village. Qui a dit ça? Mon père. Ne te dérange pas de ce que les gens disent. C'est comme ça qu'ils parlent. Ne les regarde pas. Je suis chef Tchekwasi. Chinko, pétrole et gaz, Nigeria Limited, PLC. Si ce n'est pas moi, il n'y a personne d'autre. En fait, je dois devenir le Igwe. Et tu deviendras ma reine. Hein? Je vais vraiment aimer. Tu l'aimeras. Je sais que tu l'aimeras. Je t'attendais. Et tu prieras, tu sais, que tu me donnes un garçon. Hein? Bien, merci. Très bien. Très bien. D'un instant à l'autre, je vais me déménager pour venir m'installer dans ce village. Oui. Et j'aurai assez de temps pour toi. L'aimerais-tu? Oui. Es-tu sûr? Oui, tu m'as manqué, bébé. Tu m'as manqué aussi. Fais-moi manger. Non, je ne vais pas manger. Cette nourriture est préparée pour toi. Non, ce n'est pas que je suis timide. Ok. Oui, je cherche quelqu'un pour venir nettoyer cette maison. Connais-tu quelqu'un? Non. Je vais faire ça moi-même. Non. Tu ne peux pas faire ça. Je vais trouver quelqu'un que je vais payer pour faire le travail. Pas toi, tu es très précieuse pour moi. Et je pourrais quand même l'aider. D'accord, d'accord. Merci. Ce plat est vraiment délicieux. Oui, maman. Aide-moi à faire ce travail. Voilà, avant de commencer à te plaindre, tout ça sont des moyens de survie. Où vas-tu? Maman, je viens de rentrer il n'y a pas longtemps. J'étais rentré pour me reposer, pour avoir des stratégies. Parce que tu vois, ok, ce que je ferai à ces garçons dans ces villages, ces garçons ils ont le courage de se battre avec moi. Maman, ce que je ferai, ok, tous les villages on sait le soir. Pardon, arrête-toi là. Grand frère, pour aujourd'hui, on va te botter correctement. Maman, préviens ta fille. Je vais gifler ta fille. Je vais gifler ta fille. Tu vas pas me gifler. Je giflerai ta fille. Tu vas gifler qui? Préviens ta fille. Pourquoi tu ne bats pas tous mes tchoukou? Oh, lingue, la calacola, maki, kataboué. Va là. Comme ça, tu seras dans la joie. Attends, qu'est-ce que tu dis pour l'argent? Qu'allons-nous manger aujourd'hui? Maman, je sais que tout ce que tu veux, c'est l'argent. Tu cherches l'argent. T'en fais pas. Moi et Tchébé, il y a quelqu'un qui nous donne de l'argent. Aussitôt que nous avons cet argent, nous allons te payer ton argent. T'en fais pas pour ton fils. Tu veux l'argent? Je vais te donner ton argent. Je m'en vais. Amène-moi cet argent. Amène-moi cet argent. Ça me plaît pas aujourd'hui. Maman, tu vois. Doubem. Maman. Doubem. Maman. Tu sais que tu m'appelles. Maman, quand je t'appelle, il faut me regarder, il faut m'écouter. Et là, parle à ton fils. Faut le prévenir. Retrouvez mon argent dans cette maison. À cause de vous, j'ai dû donner mes beaux vêtements à ces idiotes-là. Je travaille très dur dans les champs et maintenant il faut encore que je donne mes beaux vêtements. Ne me poussez pas à retourner cette maison si vous voulez pas les troubles dans cette maison. Maman, donnez mon argent. T'inquiète, si je vends ces histoires aujourd'hui, je vais te donner ton argent, S'il te plaît, non. Et pourquoi Doubé m'est comme ça? Pourquoi il se comporte comme ça? Oh là, maman. Je crois qu'il a donné à Tobé Tchoukou. Pardon, ne me dis rien. Donne-moi mon argent seulement. Ne me dis rien d'autre. Ok. Je vais te payer cet argent. Je ne comprends pas pourquoi est-ce que tu n'aimes pas Doubem. C'est un bon garçon. C'est celui que j'aime. Je l'aime. Je ne l'aime pas. Il ne veut que tu trompes. Regarde-toi. Je ne sais pas combien tu es jolie. Ma fille, laisse-moi te dire. Le temps de femme passe. Si tu ne sais pas. Ce coup tu veux. Regarde là où nous habitons. Cherche un homme à épouser. Comme ça, il va essuyer nos larmes, ma chère. Pardon. Maman, t'ai-je dit que je cherche un mari? Doubem est mon mari. C'est un bon garçon. Regarde comment il a lavé mes habits. Regarde bien. Et le soleil, ça va bientôt sécher, maman. C'est celui que j'aime. Je l'aime, maman. Je te l'ai dit. Et je continuerai à le dire. Tchébem, il doit te laisser libre pour te marier. Comme ça, tu vas essuyer nos larmes. Je veux que tu épouses un homme riche. Qui va nous aider, ma chère? Pardon. Maman, écoute-moi très bien. Si maintenant je trouve l'argent, je vais t'aider toi et papa. Et après, il y aura quoi? Hein? Tu t'inquiètes trop. Hein? Tu t'inquiètes trop, maman. Chut. T'inquiète pas, maman. Doubem et moi travaillons beaucoup. Nous sommes très forts. Nous allons faire l'argent. Et je vais m'occuper de vous. Ah. Ce que tu veux. Oui. T'inquiète. S'il te plaît, arrête de t'inquiéter. Doubem et moi allons beaucoup vous aider, maman. Qui est ici, oh? Qui est là? Ah, Chebem. Et bon, quoi? Chebem. Maman, maman. Ha. Maman, bonjour. Oh. Bonjour, moi. Bonjour, maman. Lydie. Agnès. Comment tu vas? Bien, bonjour, maman. Dites-moi, qu'est-ce qu'il y a? Maman, nous sommes venus prendre la maman de Chebem. Elle n'a pas nettoyé avec nous le village aujourd'hui. Ah, c'est aujourd'hui? Oui, oui, maman, c'est aujourd'hui. Où est-elle? Chebem. Chebem. Maman. Tu te préviens, oh. Écoute, j'ai entendu. Ah. Ni maman. Ni maman. Qu'est-ce qu'il y a encore? Rien du tout. Ah, Chebem, pourquoi tu me fais traîner sous le soleil? Hein, tu sais pourquoi nous sommes venus? C'est pour collecter l'argent. Tu n'as pas participé à la réunion de la rivière aujourd'hui, c'est pourquoi nous sommes venus. Ah. Hey. C'est aujourd'hui? Oui. Hey. Je ne le savais pas. Je pensais que c'est demain. Hey. S'il vous plaît, les filles, mes copines, hey, s'il vous plaît, je vous en prie, hein. Je n'ai pas d'argent. Vous savez que mon père est malade, n'est-ce pas? Pardon, je vous en prie, je n'ai pas d'argent maintenant. Pardon. Ah, pardon, mes enfants. On n'a rien comme argent maintenant. Hein? Hein, s'il vous plaît, c'est combien cet argent? C'est qu'on ira. Qu'est-ce qui se passe ici, mon amour? Elles sont venues prendre ma contribution pour la propriété du village aujourd'hui. Alors je les supplie. Les filles, s'il vous plaît, moi-même, très tôt demain matin, je vous apporterai l'argent. Oui, je vais payer cet argent. 500 naira. Doubem, c'est ici que tu dois prouver aux gens que tu es un homme. Oui, maman. Maman, c'est ce que je suis en train de faire. Hein? Je ne sais même pas honorer ton amour dans ces cas. Doubem, tu me donneras raison. Maman, c'est ce que je suis en train de montrer, non? Je vais payer. Arrête. C'est ce que je suis en train de faire. Ne suis pas, je vais payer cet argent. Je ne lui réponds même pas. Ah. Mes copines. Hey. Je vous en prie, pardon. Je n'ai pas d'argent maintenant. Hein? Voyons voir demain. Aujourd'hui, il n'y a rien. Je vous en prie, pardon. S'il vous plaît, je vous en prie. Ok, il n'y a pas de problème. J'ai compris. Les filles, je vous en prie, je vais payer pour elles. Merci. Merci. Tu vas payer pour elle. Je vais payer pour elle. Oui, je sais. Je sais très bien. T'inquiète. C'est juste parce que tu nous as parlé avec politesse. C'est la seule raison. T'inquiète, je vais payer pour toi. Mais vous devez le rembourser. Je vais te donner. Demain, très tôt les matins. Cash. Allons-y. Je vous donnerai l'argent. N'oublie pas, oh. À demain. Mes copines. Remercie ton étoile de m'avoir apporté ça aujourd'hui. Si tu ne l'avais pas fait, tu aurais vu le pire dont je suis capable. Tu sais comment j'ai finalement eu ceci. Hein? J'ai dû leur donner ma caméra juste pour te satisfaire. Pourtant, tu n'es toujours pas contente. Souris, non. Ne fais-je pas de faire pour toi. Attends. Aide-moi. Est-ce que c'est à moi que tu viens de parler comme ça? Hein? Oh non. Donc c'est parce que tu as pu m'apporter ces bêtises de simples grillades? C'est ce qui te fait croire que tu peux me parler comme ça te chante? Ce n'est pas ordinaire parce qu'ils ont... Oh, s'il te plaît, tais-toi. De quelle caméra bête tu me parles? À quoi te sert cette ordure que tu appelles caméra? Qu'est-ce que tu faisais ou qu'est-ce que tu avais à faire d'important avec cet objet? Rien du tout. Je n'aime pas cette manière dont tu viens de me parler, je te le dis honnêtement. Je n'aime pas du tout. Ce n'est pas ma faute. Tu m'as dit que tu m'aimais. Très bien. Tu es plus que le bienvenu. Il faudra que tu veuilles prendre soin de moi. Tu le veux ou pas? N'est-ce pas ce que je suis en train de faire? Le fait que j'ai laissé ma caméra n'est-il pas la preuve que je prends soin de toi? Hein? Je fais de mon mieux pour être l'homme le meilleur pour toi, mais tu ne le reconnais pas. Hein? C'est ce qui m'attriste. En tout cas, c'est déjà parti. Hein? C'est rentré dans le passé. Comme tu vois maintenant, tu sais que j'ai marché pour venir chez toi, donc je veux me détendre. Donc, allons à l'intérieur. Et où est mon problème dans tout ça, dis-moi? Non, où veux-tu te reposer? Si monsieur a décidé de faire le tour de la ville, du nord au sud, de l'est à l'ouest, tu t'es frotté avec je ne sais qui pour venir ici chez moi et te décharger? Tiens donc. Mais je ne te blâme pas. Je n'ai pas à te blâmer parce que tu ignores comment j'ai fait pour trouver cette maison. Ne parle pas. Ah, pardon, ainsi, garde ça. Hein? Tu sais, avant que tu n'arrives, j'étais en train de papoter avec mes copines. Elles m'attendent dedans. Donc tout ce qui te reste à faire, c'est t'en aller. Et quand j'en aurai fini avec elle, je passerai te voir. Et je te préviens, quand je viendrai chez toi, il ne faut pas, je répète, il ne faut pas me demander de coucher avec toi. Il ne faut même pas essayer. Sinon, ça sera la fin de cette relation. Que je ne te demande pas le... Demander quoi? Qu'est-ce que je viens de dire? Est-ce que tu es sourd? Ah, pardon. Ça suffit. Tu peux aller. Donc, le poisson est en train de partir comme ça? C'est entré seulement comme ça. Le temps que tu me gardes ici, j'aurais déjà mangé et fini ce poisson. Allez, au revoir. Pousse-toi, je vais fermer. Ah, excuse-moi, mais pars, non, pars. Pars, hein? Ne t'en fais pas. Et au fait, je crois qu'on va pas se voir aujourd'hui. Peut-être demain. Merci pour le poisson brisé. Bye. C'est comme ça qu'on se sépare. Sandra, la façon dont tu traites ce garçon, c'est pas bien, oh. Hein? Ce garçon t'aime vraiment. Les filles, je me demande d'où est-ce que vous venez. Genre, je vous comprends pas. Et donc, parce qu'il m'aime, il ne devrait pas prendre soin de moi? Exactement. Bon, moi je vais manger mon poisson. Pardon. Ma chérie, t'inquiète, on aura le temps pour manger ce poisson. Ouais, faut qu'on commence à enseigner à ces hommes des leçons. Sérieusement, il doit tirer une leçon. Exactement. Je suis d'accord. Il faut trouver vite le moyen de leur dire stop. Il faut garder le volant. Donc c'est beaucoup mieux que je le traite comme je le fais. Comme ça, il sait à quoi se tenir. Oui. S'il veut rester, très bien. Et s'il ne veut pas rester, il peut s'en aller. Ce n'est pas qu'à chaque fois qu'il veut profiter de mon corps et qu'il m'appelle et je cours chez lui. C'est parce que c'est ce que tu veux dire là. C'est ça, n'est-ce pas? Que j'aille pour qu'il se serve. Mais comme moi j'aurais besoin de quelque chose, je n'ai pas d'entrée. Il n'y a pas de réponse. Hein? Je l'ai bien dit. Je lui avais conseillé de trouver quelque chose de beaucoup mieux à faire. Mais il m'a dit non. Que lui, il veut être photographe. Il est photographe depuis plusieurs années. Et même quand nous étions à l'école, c'était ça son boulot. Et jusqu'à aujourd'hui, il n'a rien réussi grâce à la photographie. Je n'ai rien vu. Donc, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Hein? S'il te plaît, pardon. Je ne veux pas stresser pour ça. Après tout, ce sont ses yeux l'envieur qui l'ont mené dans cette situation. Lui, il aime bien les belles choses. Il m'a remarqué, je suis grande, belle, claire, avec des formes. D'où il a décidé de s'approcher. pour se foutre de moi. Simplement parce que je voulais être un modèle pour des marques. Le gars commence à s'approprier de moi. Alors qui a commencé? Non, qui a commencé? Est-ce que je l'ai enchaîné? Non, waouh. Mais tu sais que les hommes sont toujours comme ça. Quand un homme t'aime, en aucun jour tu t'attendras à ce qu'il te chasse de chez lui. Parce qu'il cherche pour toi du boulot, il te donne du boulot comme s'il donnait ça à d'autres hommes. Et il ne veut pas te perdre, il te protège parce qu'il t'aime beaucoup. Alors ce n'est pas de sa faute. C'est par amour qu'il t'aime, il te protège, il ne veut pas te perdre. Bella, et tu ne dis rien. Bella. Sandra. Ma chérie, de quel camp es-tu? Hein? Regarde-toi ensorcelée, pourquoi tu prends sa part? Ton papa, c'est un évangéliste, Bella. Mais tu veux prêcher une ancienne convertie? Dis-lui, oh. Je n'ai pas de force pour tes serments. S'il te plaît. Bébé, il y a encore un mec là, bien. Non, faut que tu vois le mec. Ne dis pas ça. L'autre idiot là m'a présenté à lui comme étant son boss. Et depuis qu'il nous a présenté, le type n'arrête pas de m'appeler. Et demain, je vais en rencard. Correct, ma chérie. Et je lui donnerai tout ce qu'il voudra. J'ai confiance. Tout ce que j'ai de bon, je vais lui donner ça au max. Ah, bébé, s'il te plaît. Lève-toi, va de ce côté. Va te mettre à ce côté. S'il te plaît, avance-moi de ça. Je t'en prie, parle-moi. Ce gars t'a vraiment ensorcelé, t'inquiète. J'aimerais vous dire merci, mes frères. J'ose croire que nous allons faire notre fierté quand nous irons à Umozi. Je ne pouvais tout de même pas vous supplier de venir à temps. Vous savez que c'est notre dernière répétition. Bon, je ne sais pas comment vous allez les prendre. Il y a d'autres filles qui me demandent de nous rejoindre, mais je ne sais pas quoi leur dire. Non, s'il te plaît. On embarque toute personne encore. Hein? On a déjà chez même ici. Demain là, ils vont venir avec des problèmes. Ils vont commencer à raconter des histoires ici. Pardon, c'est mieux que c'est seulement Cheben qui soit la seule danseuse. Vous savez, elle danse bien. Moi, je n'ai pas beaucoup à dire. Mais je pense que on a besoin de beaucoup de filles. Les filles qui peuvent danser. Et s'il faut prendre les filles dans ce groupe, laissez-moi les sélectionner. Parce que si vous laissez Doubem, il ne pourra rien faire. Il va s'occuper de ses affaires personnelles. Personne ne mettra son argent. Pas de problème. Puisque cela vient de toi, je suis de ton avis. Qu'en dis-tu? Bien, vous avez tous raison si vous me demandez. Vous savez, avoir plus de bonnes filles dans ces groupes, vous savez, pour les rendre plus attrayants. Je ne sais pas si vous comprenez, je veux dire de bonnes, très jolies filles qui peuvent danser. Et nous savons tous, les femmes vont rendre ce groupe plus attrayant. Ça sera un peu du lot, tu vois, beaucoup de gens qui nous donnent l'argent, c'est à cause de Shebem ici. Ça c'est vrai. Et ce n'est pas à cause de la hanche de Dubem. Alors il serait mieux d'amener des bonnes filles. Des bonnes filles qui peuvent danser pour l'expansion de notre mouvement. Je suis partant. Je suis partant. Mon ami, toi aussi tu peux danser, hein? Tu sais. Eh, allez, donne ça. Allez, passe comme ça. Va d'abord danser. Passe, va danser. Non. Oui, entrez. Président. Mon gars, comment vas-tu? Président, il y a des problèmes, honnêtement. Et cette fois-ci, le problème est crucial. Hein? Imagine que quelqu'un a saisi ma caméra juste à cause de l'argent. Hein? Alors, que veux-tu que je fasse? Tu sais quoi faire, non? Hein? J'ai besoin de l'argent pour aller retirer ma caméra. Tu sais que cette caméra est ma vie. S'il te plaît. Izzy, tu as commencé encore. Je n'ai pas d'argent. Ah. Écoute, je n'ai pas d'argent à te donner. Ah, frère, s'il te plaît, pardon. Je te supplie au nom de Dieu. Tu es au parfum de ce que nous traversons ici. Je t'ai dit que j'avais besoin d'une magnifique mannequin pour ma séance photo. Tu as échoué lamentablement. Ah, écoute, tous les autres chefs de marque ont déjà fini leur séance photo. Ils ont fini leur séance photo pour de nouvelles marques. Crois-moi. L'entreprise a refusé de me lever de fonds, donc il n'y a pas d'argent. Et pour ton information aisée, nous avons 12 nouvelles marques. Je veux une magnifique mannequin pour faire ma séance photo. Je ne peux pas faire sortir de l'argent n'importe comment. Ah, mais j'ai déjà amené une fille, ou bien n'aimes-tu pas la fille que j'ai amenée? Je ne l'apprécie pas. Je ne l'apprécie pas. Elle n'a pas ce que je cherche. Mais c'est une belle fille, elle peut faire l'affaire. Aisée, je ne l'apprécie pas. Elle m'appelait, je ne sais pas quoi d'autre elle veut de moi. Aisée. Bola, mon ami, partira pour l'Amérique avec de différents modèles de marque. Et tu sais ce que je veux dire. Et tu sais ce que cela signifie pour ma position. Aisée, tu sais combien il a gagné? Tu as l'idée sur combien Bola a empoché? Si l'une de ses photos a attiré l'attention du public, c'est que cette fille a gagné. Cette fille a gagné pour toute sa vie. Je n'ai pas d'argent pour te donner. Va gérer ça ailleurs. Ah, ok, monsieur, je vais... j'irai chercher de nouvelles modélistes, ok? Mais, s'il te plaît, ce qui m'est important maintenant, c'est ma caméra. Tu sais que cette caméra est ma vie. Hein? Afin que je puisse... Aisée, je n'ai pas d'argent pour te donner, s'il te plaît. Sors de mon bureau. Que je quitte comme ça. Mais, dis donc. Gars, regarde autour de toi, non? Regarde autour de toi. Va chercher une fille. Mais vas-y, si tu trouves une magnifique mannequin, écoute, nous avons gagné pour toute la vie. Va chercher une jolie mannequin, non? Je veux ce prochain festival africain, cet événement. Aïe, ça doit être pour nous, non? Ça doit être pour moi. Nous devons gagner le show. Va me chercher une mannequin et arrête de me demander de l'argent. Ok, ok, j'irai les chercher, mais... Désolé. Même si c'est 5 000, c'est bon, je vais essayer de chercher le reste, c'est 10 000. Même si c'est 5 000, s'il te plaît. S'il te plaît, tu es mon patron, s'il te plaît, non. Va gérer ça ailleurs. Amara, je ne suis pas du tout contente. Pourquoi est-ce que Chip nous a donné qu'est la boisson? Hein? En fait, vous donnez aussi quelque chose. Même un 1000 naira pour la nourriture. Hein? En quoi ça te concerne? L'homme, c'est mon ami. Et toi, fais ce que j'ai dit. À ma commande, toi, tu n'as qu'à obéir. À la main. Papa. N'oublie pas d'aller lui donner de la nourriture, ok? Ok, papa. Maman, papa a raison. Cet homme, c'est son ami. Il lui fait juste une faveur. Et d'ailleurs, il nous a beaucoup aidés. Et n'oublie pas maman, quand il deviendra les Igwe, et papa sera son honorou. Maman a raison. Papa, tu sais comment on se débrouille dans cette maison. Cet homme est déjà riche. Il devrait nous soutenir davantage. Regardez-le-moi. Regardez-moi sa bouche comme celle du lézard qui attrape des cafards. L'homme, c'est mon ami. Et je dépense pour lui. En quoi cela vous concerne? Hein? Vous ferez mieux ne pas vous plaindre. Parce que si vous vous plaignez, hey, quand il va devenir le roi, et je deviens le chef des notables, et quand je commencerai par prendre du poids, hein, il n'y aura aucun d'entre vous, je vous le dis. Papa, je te soutiens. Oh, merci beaucoup. Je te soutiens, papa. Et quand il va devenir les Igwe, et papa les Onoru, je serai l'un des membres de son cabinet. Oh, oh. La cheftaine de servantes, hey. La cheftaine. Tu es vraiment ma fille. Oh, papa, salut le nom. Mon mari, continue à sucer les riches. Tu le deviendras aussi. Et nous allons acheter cette parcelle. Nous allons quitter ici. Vas-y, Ono. Maman, tu l'as entendu? Je l'ai entendu. Il le deviendra quand son corps va se détériorer. Ah, grand frère. Ouais, maman. Bienvenue. Ah, maman. Agolé est là. Grand frère, comment tu vas? Mais pourquoi ton visage est comme ça? Mère. Oh, tu es venu tôt comme ça, pourquoi? Est-ce que tout va bien? Mère, il y a un sérieux problème. Pour être très franc, tout ne va pas bien du tout. Tout ne va pas bien. Hey! Makambo Bandi, chaque jour il y a des wahala à gauche, des wahala à droite. Quand viendra le temps où il n'y aura plus de wahala? Hein? Attends, j'espère que... c'est pas à cause de l'argent que tu es là. Pardon, faut pas que ce soit à cause de l'argent. Grand frère, j'espère que tu n'es pas revenu pour l'argent, parce que moi-même, je suis fauché. Mon ami, tais-toi. Est-ce que j'ai mentionné l'argent? Mais maman, ce n'est pas la bonne manière d'accueillir ton fils. Je viens de très loin et au lieu de me donner à m'asseoir et afin que je puisse manger, tu parles de l'argent. Ce n'est pas bien, non. Je suis ton fils. Bonne arrivée. Ada, laisse-lui la place. Allez, va s'asseoir. Assieds-toi. Je vous salue, maman. Bienvenue, mon fils. Comment tu vas? Merci beaucoup, je vais bien. En fait, je ne sais pas si c'est ici la maison de Ichia Anoka. Bien sûr que oui. J'espère que tout va bien. Tout va bien, maman. Maman, je m'appelle Oweli. Je proviens de Ozara. Je viens de visiter mon village. Je suis sur mon chemin de retour. Et je me suis décidé de m'arrêter pour vous voir. Oh, vraiment? Bienvenue, mon fils. J'espère que tout va bien. Oh non, tout va bien, maman. Ma mère m'avait parlé de votre fille. Voilà pourquoi je voulais la voir avant de rentrer. Hey, tu veux dire, tu es venu jusqu'ici voir ma fille Chebem? Oui, maman. Maman, au fait, on m'a beaucoup parlé d'elle. Beaucoup même. Voilà pourquoi j'étais déterminé de la voir avant de partir. Et si possible, l'épouser. Oui. Laisse-moi l'appeler pour toi. Je t'amène la chaise. Attends-moi, hein? Juste une minute. J'arrive. Bel homme, regarde comment tu es bien habillé. Non, moi. Merci, mon maman. S'il te plaît. Attends, je vais l'appeler. là. Mon cher, s'il te plaît. T'inquiète, il est aveugle. Oh oui, on m'avait informé. On m'avait informé qu'il était aveugle. Bonjour, papa. Je vois la richesse. Bienvenue, mon fils. Ah! Merci, papa. J'ai appris que tu es venu voir notre fille. Oui, papa. Je viens d'Ozara. Mon nom est Oeli, PDG du groupe d'entreprise Oeli. J'habite à Lagos. Ça va. Shibem, notre fille, est partie au champ. Mon fils. Non, s'il te plaît, tu peux rester avec papa. Laisse-moi le temps d'aller la chercher. Oui, ça c'est bien. J'arrive. Alors, comment ça va, papa? Comme tu peux le voir, je suis sorti vivant aujourd'hui. D'accord, papa, tout ira très bien. Ne vous en faites pas. Azemwe, est-ce normal que tu reviennes ici me demander de l'aide juste pour 10 000 naira seulement, hein? Maman, ce n'est pas comme ça, hein? Ce n'est pas comme ça. Hein, si je ne viens pas chez toi pour m'aider, à qui irais-je? N'es-tu pas ma mère? Tu vois, cet argent est très très important pour moi. Si je ne l'utilise pas pour ce projet, je le raterai, je ne serai pas content. Grand frère, tu vas trouver personne à la cité chez qui emprunter de l'argent. Oh, mon ami, tais-toi. As-tu gardé quelqu'un en ville pour moi chez qui prendre de l'argent? Radio sans pile. Ah, donc c'est à moi que tu as confié l'argent pour garder pour toi. Comme ça, quand tu veux, tu viens chercher. Ah. Bon, tu devras patienter une semaine pour que je te donne 10 000 naira. Une quoi? Semaine. Ha. Une semaine. Parce que je dois d'abord aller au champ pour récolter mes maniocs, préparer du gari, partir au marché le vendre pour réunir les 10 000 naira à te donner. Ah, maman, maman, une semaine c'est trop pour moi, non? C'est trop long. Ah, ah. Si j'attends jusqu'à une semaine, ça ne vaudra plus la peine. Je n'aurai plus besoin de l'argent. Mais j'ai besoin de l'argent aujourd'hui, pour ce projet. Hey, c'est sur moi que ça tombe. Oh mon Dieu, quand serais-je comme les autres femmes? Quand, hein? Regarde-moi mon fils, pour lequel j'ai souffert pour qu'il étudie à l'université. Au lieu que tu me donnes l'argent, c'est tout l'inverse. Mais où est la différence? Maman, ce n'est pas comme ça. Arrête de penser comme ça. Tu es licencié. Utilise ses diplômes à la cité pour chercher l'emploi. Au lieu de nous revenir ici pour nous embêter avec l'argent. Je vais te casser la tête. Qu'est-ce que ça veut dire? Hein? Pourquoi vous m'insultez? Tu sais quoi, maman? Ça va. Je vais retourner en ville. Garde ton argent. Ça ne fait rien, même si je perds le projet. Garde ton argent. Pourquoi vous m'insultez à cause de 10 000 naira? Quittez la ville pour venir ici. Vous ne savez pas que c'est important pour moi. Ça va. Je m'en vais, ça ne fait rien. Papa, mon fils, reviens. Reviens t'asseoir. Pourquoi vous me faites ceci à cause de 10 000 naira? Toi, méfie-toi. Je ne suis pas ton semblable. J'aurai l'argent de la caisse après nos réunions. Je te donnerai 10 000 naira juste après. Juste pour que demain tu ne me blâmes pas en me disant que c'est moi qui t'ai fait perdre le projet. Ah, maman, Ada, ne t'inquiète pas, ne t'en fais pas, apporte-moi mon sac. Va porter son sac. Chief! Chief! Ah, ça devrait être à l'homme. Oui, monsieur. Je sais que c'est toi. Comment vas-tu? Merci. Oh, ma chérie. Viens, viens contre moi. Merci. Je t'ai amené la nourriture. Oh, nourriture? Oui. Oh, c'est bien. C'est bien. Tu n'as plus appelé la personne qui viendra nettoyer cet endroit. Oh, c'est Dubem. Je vais aller lui dire, je vais l'appeler. D'accord. Oui, monsieur. Va déposer la nourriture sur la table là-bas. Oui, monsieur. Et puis... J'arrive, hein? Hein? Viens. J'ai dit que j'arrive. Ok. Je ne vais pas traîner. Ok, va. Vite, hein? Ok, s'il te plaît. Une fois que tu l'as appelé, reviens ici pour me faire du massage, hein? J'ai besoin un peu de massage. Ça, c'est bien. Hey! Nayo! Hein? Tu me vas très bien? Ouais, je le vois. Vous voyez? Je ne blague pas du tout avec mon boulot. Je vois ça. Oui. C'est pourquoi j'aime t'appeler pour venir faire mon travail chaque fois que j'ai le besoin. Oui. À chaque fois qu'il y a des herbes dans votre champ, ne vous inquiétez pas. Appelez-moi seulement. J'ai même. Et je ne vais pas oublier. Je vais toujours t'appeler. Chebem, tu dois venir avec moi. Il y a quelque chose qui se passe maintenant. Ce qui arrive est plus grand que ça. Allez, laisse le travail. Madame, quel est ton problème? Ne me vas-tu pas ici? Qu'est-ce qui se passe là-bas qui est plus important que le travail qu'elle fait pour moi? Ichi, s'il te plaît, hein? Je suis désolée. Elle va revenir. S'il te plaît. Ichi, s'il vous plaît, ne vous fâchez pas contre maman. Je vous avais dit que mon père est très malade. Ouais. S'il vous plaît, je vais un peu voir là-bas. Je viens finir ce travail. Allez, il faut revenir. C'est ta promesse. Viens voir avec moi. Maman, qu'est-ce qu'il y a? You can only be one person, you no go fit be all. Oh, nada. You can never please everybody, oh, at the same time, oh. Oh, yeah. On ya chura chonu, on asa chonwe nyonu. Mwami fe, on ya dose nyonu. Makechi dime, on ya mi foka monu. On ya furota, kapu kwenye chino. Uyundini nena chigochi, mani kachafamano. Waziva buongwe faka bakotu, nidine mumano. Mwanama, amuma salwe. Chokube muwe, achafu kwa na muwe. Ça pourrait être encore son père, oh. Hey, cette fille me fait pitié. Tu vois pourquoi j'avais dit que je vais payer pour elle? Tu vois? Tu m'en voulais même. Maintenant, regarde. Ce n'est pas que je t'en veux. Ce n'est pas ça la question. Hein? Ne dis pas juste que tu vas payer pour quelqu'un. Faut apporter ça que je vois avec mes yeux. Si je ne paye pas, tu vas me faire quoi? Viendras-tu me taper? Vas-y, réponds-moi. Hein? J'aimerais bien les rejoindre dans leur groupe de danse, tu sais. Toi ou moi? Hein? Écoute, je crois qu'elle va me demander de les rejoindre. Oui. D'ailleurs, je sais qu'ils n'auront plus besoin d'une autre fille. Et qui a dit ça? J'avais parlé avec David et il m'a dit qu'il me donnerait une suite. Et d'ailleurs, qui est Chebem pour décider de qui peut entrer dans le groupe ou pas? Hein? M'as-tu posé cette question? Oui. As-tu oublié comment ils ont commencé? Ils ont commencé ensemble. Oui. Alors, ma chère, je suis seule qui va le rejoindre. Oui, c'est ça, rêve. Allons pour... Papa, connaissez-vous la raison pour laquelle tout le monde aime l'argent? Si vous aviez de l'argent lorsque ceci vous était arrivé, vous ne seriez pas aveugle aujourd'hui. 5 ans, ce n'est pas peu. C'est beaucoup. C'est ça, mon fils. Il n'y avait personne pour m'aider. Je n'avais personne pour me donner un coup de main. Papa, je vous promets, si j'arrive à épouser votre fille, vous n'aurez plus jamais de problèmes. Oui, je vais vous aider. Je t'en remercie d'avance. Merci. C'est elle, ma fille, Dubem. C'est une bonne fille, c'est une bosseuse. Comme tu vois là-haut, elle a commencé de travailler au champ aujourd'hui depuis le matin. C'est pourquoi elle est un peu bizarre. Obim, Maïzouele, un homme très riche, très grand, Deozala. Il habite Lagos, dans cette grande cité. Il est venu te voir. Ma chère, waouh. C'est une confirmation que tout ce qu'on m'a appris à propos de toi est vrai. Oh. Comme ta mère a dit, mon nom est Oele. Oui, c'est moi, je suis là. Comment tu vas? Il va bien. Agathe, elle a tellement transpiré. C'est parce qu'on a couru depuis le champ jusqu'ici. C'est pourquoi elle a transpiré comme ça. Maman, je n'ai pas la bouche, moi. N'ai-je pas la bouche pour parler? Hein? Donc à cause de toi, j'ai quitté le champ pour venir ici. Et ça caca. Donc à cause de lui, tu m'as demandé de laisser mon bon boulot que je faisais là-bas au champ. Pour venir ici. Qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui ne va pas? Chébem, ma fille. Nos ancêtres disaient, tu peux tout rejeter, mais tu ne peux pas rejeter les appels. S'il te plaît, assis-toi et parlons. Papa, même toi, tu soutiens cette folie? Je n'ai pas de temps. J'en ai pas du tout. Je vais au champ faire mon boulot. Tu crois que j'ai le temps? Et sur la personne qui a tout? J'ai pas le temps. J'en ai pas du tout, s'il vous plaît. Je dois aller travailler. J'ai pas le temps. Ah! Je suis très occupée. Je n'ai pas le temps. Dépêche. Hein, allons vite. Et tu m'as emmené de là jusqu'ici. Et juste à cause de toi. Je suis très occupée. Où vas-tu? Hein? Reviens ici. Hein? Si tu ne veux pas me tuer, mon fils, s'il te plaît, assieds-toi. Tu déranges. Laisse-moi courir. Non, maman, ne vous en faites pas. Vous n'avez pas à vous inquiéter. C'est bon. Mettez-vous, on va parler. Au fait, papa, voyez-vous... I see dark people everywhere. Look at them everywhere. Now they want to connect to you, cause we don't elevate. They want to relate to you, cause we don't connect. Look at them everywhere. Dark people everywhere. A lot of fools. They want to connect. Bad people. C'est combien la course? 500 naira. Merci. Papa? Papa? Papounet? Papa! Mon Dieu! Papa? Comment vas-tu? Je vais bien, papa. Wow. Ravi de te voir. Mais moi aussi, papa. Alors, à Mouma. Oui, papa. Que fais-tu ici? Eh bien... Pourquoi cette cour est aussi sale? Bien. En attendant, tu n'as pas encore répondu à ma question. Que fais-tu ici? Oh, voyons papa, est-ce que ici ce n'est plus la maison de mon papa? Je suis venue passer un peu de temps au village. Ça c'est bien. Et d'ailleurs, j'ai appris que tu vas devenir bientôt le roi de ce village. Oh. Et je suis là pour devenir la princesse. C'est joli. Tu es la bienvenue. Très bien, papa. J'ai hâte de devenir la princesse de ce village. Comme tu le sais. Non. Laisse-moi t'aider. Oh, merci, papa. Mais comment tu m'as manqué. Et tu m'as manqué aussi. Mais franchement, cette cour est sale. Hey. Dubem. Hein? Dubem n'est pas là. Il n'est pas là? Dès qu'il sera de retour du Lucas. Juif, j'ai encore besoin de lui pour nettoyer sa parcelle. Toi, tu dois être folle, hein? Tu es vraiment très stupide pour me donner ce genre d'informations. Moi? Oui, toi. Je ne comprends pas. Est-ce que vous êtes deux? Mais pourquoi tu me qualifies d'une folle? Mais parce que tu es folle. Tu as laissé votre maison. Ok, Tivchenko, c'est l'ami de ton papa, non? Pourquoi t'as pas demandé à ton frère d'aller nettoyer chez le Tivchenko? Tu as laissé ta propre maison pour venir dans ma maison chercher mon frère à moi, le domestique, pour qu'il t'aide, moi, à nettoyer la parcelle de Tivchenko. Ma soeur, tu es mauvaise. Arrête là! Tu es malade! Es-tu folle? Hein? Ne me prends pas pour l'une de tes amies. Je vais te taper sévèrement, je te dis. Laisse-moi lui dire que c'est Tivchenko. Est-ce moi Tivchenko? Est-ce que c'est gratuit? Ne va-t-il pas le payer? C'est moi qui aide ton frère de se réduire en domestique. N'échoue pas avec moi, ne commence même pas. Non, soit ouvre ta bouche pour me dire n'importe quoi. Je vais te taper, rien ne m'arrivera. Tu m'entends? Très bien, tu as fini, n'est-ce pas? Allez, va-t'en. Sors de chez moi. Tu peux me bagarrer chez moi. Si je te tape ici, tu ne peux rien me faire. Tu dégages. Ok, si tu veux, dis-le à ton frère. Je ne lui dirai rien. Tu ne peux pas aussi. Je ne lui dirai rien. Non plus. Tu vois, moi là, tu ne me verras plus jamais ici. N'importe quoi, cesse de traîner. Je ne te blâme pas. Parmi tous les garçons du village, il n'y a que mon frère qui peut aller nettoyer chez le Tivchenko. C'est un domestique, non? Dubem. Dubem, qu'est-ce qu'il y a encore? Dubem, qu'est-ce qu'il y a? Quoi encore? Bonjour, maman. Toujours toi? Toujours toi, hein? Laisse mon fils tranquille. Non, maman. Je veux te parler maintenant. J'espère que tout va bien. Non. Tu iras nulle part. Écoute-moi. Tu iras nulle part. Ma question. Tu veux le prendre encore, hein? Maman, je ne l'emmène pas. Je vais juste lui dire quelque chose. Hein? Dis-le-lui ici, allez, dis-lui. Son oreille est là, il t'écoute. Allez, dis-le-lui, non? Mais c'est quoi tout ça, non? Permets-lui de me parler. Permets-lui de me parler. Tu ne sais pas pourquoi elle est venue ici. Hein? Non. Tu vois ce travail? On doit le finir aujourd'hui. Parce que notre nourriture d'argent d'hier, tu lui as donné. Fais attention. Maman, c'est bon. Regarde ce qu'on va faire. Rentre à la maison. Tu vois tout ce travail. Je te promets, je vais le finir. Oui, maman, on va le finir. Elle va m'aider à le faire. D'ailleurs, elle est prête pour ça. Je travaille. Oui, je vais terminer le travail. Juste, rentre à la maison. On va travailler. C'est quoi même que mon fils avec cette fille? Hein? Qu'est-ce que tout ça veut dire? Je ne comprends pas ça. Tu me cherches des problèmes. Je vais m'en prendre toi. Je te préviens, tu m'entends, hein? Madame, me voilà encore. Regarde le bailleur, qu'est-ce qu'il y a? C'est ici notre maison. Hein? Pourquoi tu me suis partout? Tu veux m'embarrasser à tout moment. Hein? Ok. Alors tu me parles comme ça? Oui, je vais te parler comme ça. Hein? Mais pourquoi tu vas ici tous les jours juste pour insulter les gens? Si tu ne connaissais pas là où je vais, est-ce que tu allais venir ici pour commencer à m'embarrasser? Hein? Juste parce que tu sais là où je vais. Mais c'est le bailleur. Écoute. Si tu ne t'en vas pas, je vais te verser ce pétrole et je vais jeter une allumette là-dessus. Tu vas te transformer en flamme. Fais-moi confiance, oh. Ne pense pas que je blague. Et donc, tu veux me brûler vif, c'est ça? Tu veux brûler ton bailleur vif, c'est ça? Je vois. Je vois. C'est clair que ton mari et toi voulaient me créer d'ennui. Il t'envoie pour venir me provoquer. Pour que je te tape et que vous ne sortiez pas de ma maison. Oui, c'est votre plan. Mais tu sais quoi? Laisse-moi te dire, votre plan a échoué. Ça ne tiendra pas. Vous avez échoué. Ça ne tiendra pas. Je ne vais pas te toucher. Tienko ceci, tienko cela. Tienko ceci, tienko... il n'arrive pas à payer la maison. Hein? Ce ne sont que des trafics d'influence. Il a des fermes et tu n'as rien d'autre qu'un simple tonneau que tu utilises pour vendre du pétrole. C'est maudit pétrole. Avec tous ces maudits récipients que tu as. Et quoi d'autre? Rien de plus. Pétrole et gaz. Ikusugo, fou. Viens prendre ton argent, non? Écoute-moi. Tu verras. Viens prendre ton argent, non? Je vais t'insulter encore et encore. Allez. Ok, c'est bon. Tu as gagné. Allez, tu as gagné. Je reviendrai prochainement. Pas de problème. Viens prendre ton absent. Continue de t'enorgueillir. Laisse-moi te dire. Loba, Loba, continue. Espèce de folle. Ah mon fils. Ah, mais pourquoi ta mère ferait-elle une telle chose, hein? Mais elle connaît très bien nos plans. Je ne sais pas. Mais tout ce qui se passe, c'est de ta faute. Parce que tu as le temps de venir déposer la dot chez nous, mais tu refuses. Si tu l'avais fait, ma mère n'allait pas emmener notre garçon à la maison pour venir m'épouser là-bas. Tu sais que ce n'est pas de ma faute. Hein? Ce n'est pas ma faute. Je n'ai pas encore d'argent. Je suis en train d'essayer de faire comment est-ce que je vais chercher de l'argent. Toi-même, tu sais ce que je suis en train de faire pour avoir l'argent. Parce que mon père m'a toujours dit que le mariage n'est pas facile, que j'aurais besoin d'argent. Voilà pourquoi je veux que nous puissions garder de l'argent, qu'on épargne de l'argent, qu'on garde l'argent. Pour que quand on va commencer, que rien ne s'arrête. En effet, laisse-moi partir chez toi, je vais chasser cet homme. Laisse le gars tranquille. Lorsqu'il va se fatiguer, il partira. Aïe, tout ça parce qu'il a une voiture. Si tu viens verser la dot, ma mère n'amènera plus quelqu'un chez nous à la maison. Ils doivent savoir que je vais acheter une voiture. J'en achèterai. Est-ce que tu as fini ton travail? Est-ce que tu vas bien? Est-ce que c'est tes affaires? C'est toi qui travailles pour moi? S'il te plaît, je ne veux pas de problème. Regarde, j'ai d'autres problèmes à régler. Ah, oh. Je t'ai apporté de la nourriture. Merci, au revoir. Pourquoi tu me chasses même? Ah, hein, grand frère, j'allais même oublier. Hein. Il y a Aloma qui est venue aujourd'hui à la maison. Elle m'a dit que Chivchenko voudrait que tu l'aides à faire quelque chose dans sa parcelle. Merci, ministre de l'Information. Tu peux partir. Allez, tu peux partir. S'il te plaît. Alors, faut me chasser. Au revoir, non, c'est quoi ton problème? S'il te plaît, pars. Oh, faut bien manger, oh. Regarde là. Je ne sais pas c'est quoi le problème de cette fille. Je suis pas content. Je suis pas content du tout. À cause d'une voiture. Je sais qu'un jour, je vais acheter une voiture. Hein? Chief. Ouais. Je suis de retour. Bienvenue, ma chère. Il a dit qu'il arrive. Oh, d'accord. Comment alors à propos de ce que tu avais dit? Tu avais dit que quand je vais revenir, tu vas me le dire. Ok. Avant que je ne rentre. Non, il n'y a pas besoin pour aujourd'hui. Je vais le faire. Non, on ne peut rien faire ici. En fait, tu dois partir maintenant. Je viendrai chez vous pour te prendre. Et nous irons quelque part d'autre pour le faire. Alors, on va le faire. Ma fille est revenue. Ma fille est là. Non, on va aller le faire à un autre endroit. Oui, hein? Nous irons à un autre endroit pour le faire. Au revoir, hein? Au revoir. Papa? Oui? Tu n'as toujours pas appelé quelqu'un pour nettoyer ici? Bon après-midi. Ah, alors moi tu salues. Oh, tu ne la connais pas? Ah. C'est la fille d'Adjébé. Aloma, tu ne te souviens plus d'elle? Ah, oh. Comment vas-tu? Je vais bien. Aloma, c'est ça? Oui. Elle a beaucoup grandi. Oui, elle a eu une grande fille maintenant. Eh bien, dans ce cas, elle peut alors faire le ménage par ici. Non. Elle ne peut pas faire ça. Elle est très occupée à la maison. Elle nous a juste apporté quelque chose. Elle doit... Aloma? S'il te plaît, tu peux partir maintenant. Bye bye. S'il te plaît, salue-moi ta mère. Merci. Merci beaucoup. Papa, t'as dit qu'elle apportait quelque chose? Oui, c'est sur la table. Oh, j'avais même pas vu. Papa. Ça y est là-bas. Waouh. Oh. C'est bien ça. Je comprends maintenant pourquoi tu refuses de venir à la maison les week-ends. Ok, elle a apporté, mais elle a aussi préparé ça? Non, regarde l'argent que nous avons eu. Imagine maintenant quel argent nous aurons si cet homme épousait notre fille. Il m'a dit qu'il sera là pour m'aider si ses plans marchaient. Mais cela ne veut pas dire que je vais vendre ma fille auprès d'un inconnu. Laisse-le partir et revenir. Hein? Oh bon, désolé, ok. Oh, c'est bon, c'est bon. Elle doit épouser Owele. C'est obligatoire. C'est la faute de Bem. C'est sa faute. Mais tu ne vois pas? C'est lui qui convient à notre fille. Ooma, je t'ai demandé de ne pas combattre l'amour. Car au final, l'amour l'emportera toujours. Si notre fille décide d'épouser ce jeune homme, bien. Et si elle ne veut pas l'épouser, bien. Non, ce n'est pas possible. Je ne peux pas laisser ça comme ça. Regarde ce qu'on nous a donné. Hein? Dans toute notre vie, a-t-elle déjà gagné cette somme d'argent du champ? Dis-moi. Ah, oh, elle est. Tu es déjà mon beau-fils. Qu'elle le veuille ou pas, tu es déjà mon beau-fils. Tu vas l'épouser. T'inquiète. Tu même, tu dois l'épouser, t'as pas le choix. Hein? Allez, dis-moi quelque chose. S'il te plaît, dis-moi ce que tu veux. Peu importe ce que c'est, je suis prête à te le donner. S'il te plaît. Hey, tu ne prends rien d'autre? Je peux appeler la serveuse. Hey, et je vais payer. C'est moi Sandra, qui paye. S'il te plaît, les choses ne se passent pas comme ça, ok? Écoute, je suis un homme qui ne s'abuse pas avec les affaires. Je ne mélange pas les affaires avec le plaisir. D'accord? Je t'ai dit que je vais y penser. Monsieur, vous voulez penser à quoi d'autre? Est-ce que je ne suis pas une belle femme? J'ai aussi le sens des affaires, tu sais. Et je crois qu'on peut faire du profit, tu vois. Je pensais que toi et Zéon vous sortez ensemble. Non, on ne sort pas ensemble. Il n'est juste qu'un ami. Et ce garçon, il ne peut pas me donner ce que je recherche. Et je le répète, j'ai vraiment le sens des affaires. Alors, il suffit juste qu'ensemble, nous puissions, tu vois, faire équipe. Je suis prête à te donner tout. Il suffit juste que... Vous avez juste des amis? Ouais, bien sûr. Mon président. Ezéon, comment vas-tu? Mon président. Sandra. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi est-ce que tu m'appelles? Non! Dis-moi pourquoi est-ce que tu m'appelles? Mais pourquoi tu m'appelles? S'il te plaît. S'il te plaît. Fais rapidement ce pourquoi tu es venu. Ensuite, tu pars d'ici. Il ne faut plus m'appeler. Sandra. C'est à moi que tu dis ça. Pourquoi je t'appelle? Sandra. Après tout ce que tu m'as fait passer, ma caméra a dormi ici à cause parce que tu n'étais pas capable de payer après avoir invité une femme. Mon Dieu. Ah mais oui. Tu fais sortir une femme et tu es incapable de payer pour elle de la boisson et du simple boisson. Et tu veux que je fasse quoi? S'il te plaît, je ne veux plus encore que tu m'appelles. Et si je ne te l'ai pas dit plus tôt, j'en ai fini avec toi. J'ai plus rien à faire avec toi. Hey, comme... Assez. Assez pour cette bêtise, ok? Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Hey, assez. Oh, désolé. Pourquoi tu lui parles comme ça? As-tu oublié qu'il est mon ami? Ne me touche pas. Pourquoi tu l'embarrasses comme ça? Je suis désolée. Président, tu as vu. Allons plutôt ailleurs et on peut continuer à parler. Je t'en prie. Président, tu as vu à quel point certaines femmes peuvent être méchantes. Sandra, moi. Ezéon, tu vois? Ezéon, je quitte cet endroit. Excuse-moi. Je m'en vais d'ici. N'essaie plus jamais d'appeler mon numéro. Mais je suis désolée. Je suis désolée, non? Pardon. T'es content? Tu me regardes, espèce de raté. Est-ce que t'as vu ce que tu as causé? Je n'ai rien à te dire. C'est seul Dieu Tout-Puissant. Mon Dieu te punira. C'est tout ce que j'ai à dire. Tu seras jugé et puni. Après avoir mangé mon poisson. Espèce de photographe raté. Oh, Mike. Oh. Oh, c'est quoi, ce genre de conneries? C'est quel genre de bêtise ça? Oh, mais qui m'avait dit de manger cette nourriture? Oh, je viens de rater. Quelle opportunité! Comment je vais la rattraper? Une opportunité. Hein? Oh. Regarde l'argent qu'il nous a donné. Tu le vois pas? Maman, je ne te comprends pas du tout. Je ne comprends pas pourquoi est-ce que tu veux me faire ça. Hein? Pourquoi veux-tu que je me marie à quelqu'un que je ne connais même pas? Quelqu'un que je n'apprécie pas. Quelqu'un pour lequel je ne ressens rien. Et ça, Ninango. Jebem, ce jeune homme a promis de prendre soin de ton père si tu l'épouses. Pardon, Jebem. Hein? Ton ami là te fait passer du temps inutilement. Je te dis vrai. Laisse-lui aller. Laisse-le partir de ta vie. Maman, j'aime Dubem. Dubem aussi même. Oh. Permettez-nous de nous marier. Jebem, Dubem ne veut pas t'épouser. Hein? Il ne veut pas t'épouser. Sa mère ne t'aime pas. Ne vois-tu pas? Maman. Hein? Maman. C'est incompatible à lui. Alors, laisse-lui partir de ta vie. Maman. Napekisio, ne prends plus jamais l'argent de ce garçon. Que j'arrête droit. N'ose plus jamais prendre son argent. Jebem, toi et moi ne serons jamais en paix. Permettez-moi et Dubem de nous marier. Hey. Hey. Je suis fini. Oh. Et qui es-tu? Je m'appelle Dubem. Oh, t'es censé être le gars dont mon père a fait appel pour venir nettoyer ici, c'est ça? Ah, oui. Oui, c'est moi. Bien. Amouma, qui est celui-là? Je vois que c'est le garçon que tu as fait appel pour venir nettoyer la parcelle. Oh, Dubem. Bon après-midi, monsieur. Comment ça va? Vous m'avez envoyé chercher, monsieur. Oui, je t'ai appelé. Je veux que tu nettoies cette cour. Hein? À Maman. Oui, papa? S'il te plaît, montre-lui les endroits où il doit nettoyer dans la maison. Intérieur comme extérieur. Hein? Et toi? Après avoir te montré tous les endroits, fixe le prix. Dis-lui exactement combien cela va te coûter pour bien nettoyer tous ces endroits. Pas de problème, monsieur. Merci beaucoup. S'il te plaît, je veux que cela soit fait si possible aujourd'hui. On commence immédiatement, monsieur. Merci beaucoup. Je déteste quand un homme ne réagit pas comme un homme. Comment peux-tu laisser cette fille te traiter comme ça? Sais-tu qui tu es? Sais-tu? Président, que vais-je faire, non? Hein, que vais-je faire? Certaines femmes aiment te traiter mal même si tu les aimes. Surtout si tu n'as rien. Ah. Quel putain d'amour parles-tu? Écoute, cette fille m'a dit que vous êtes juste des amis. C'est ce qu'elle t'a dit? Oui. Que nous sommes juste des amis? C'est ce qu'elle m'a dit. Elle m'appelait, me suppliait de coucher avec elle. C'est que elle voulait que je lui fasse une modéliste. Cette fille n'a aucun respect pour toi. Elle n'a aucun respect pour toi. Je ne sais même pas pourquoi tu veux la faire modéliste. Quelle modéliste? Moi, faire d'elle une modéliste? En tout cas, je ne veux pas parler. Mais tu vois, tu n'as pas à me blâmer. Tu n'as pas à me blâmer. J'aime la fille là de tout mon cœur. Ne sachant pas quel autre ne m'aime pas, mais je suis content que ces choses se sont passées. Au moins, j'ai vu à quel point elle est faux. J'aime cette fille sincèrement. Écoute-moi, Izzy. Nous sommes dans le showbiz ici. Afin que tu arrives à gagner dans ce domaine, tu dois être moins attaché aux filles. Pas de sentiment d'une quelconque forme pour aucune. Mais toi et moi savons que j'aime cette fille et c'est la seule fille avec qui je suis sincère. Toi et moi savons que j'aime la fille là. Aisé, nous parlons des affaires ici. Prends ce qu'elles ont, donne-leur ce qu'elles veulent et va-t'en. Tu n'as aimé aucune. Ça va, j'ai appris mes leçons. À cause de la stupide fille là, j'ai déposé ma caméra à cause de ce qu'elle a mangé avec ses amis dans le bar là. Et elle a eu le courage de te dire que je ne suis que son amie. C'est ce qu'elle t'a dit. Elle était même prête à coucher avec toi. Dans cette vie, je sais maintenant comment suivre les femmes. Peux-tu imaginer? Est-ce que tu t'écoutes toi-même? À cause d'elle, tu as déposé ton appareil photo pour ce qu'elle a mangé. À cause d'elle, parce que j'essayais d'être un bon petit ami. Écoute, Aisé. Si tu veux continuer avec moi dans cette affaire, tu dois avoir le sens des affaires. Tu dois être concentré. Est-ce que tu m'as entendu? Je t'ai bien entendu et je te promets que ça ne va plus se passer. Ça ne va plus jamais se répéter. Je te le dis, crois-moi. Ça va. Donc, cherche-moi 8 mannequins. Hein? Oui, je vais aller charger ma caméra et puis je commencerai le travail. D'accord. Merci beaucoup. Cet endroit est vraiment sale et moi, je ne supporte pas les milieux qui sont sales. Ah, oui, je vois. Je veux que tu nettoies très bien cet endroit. Et tu vois là-haut, toutes ces toiles d'araignée, il faut que tu nous en débarrasses. Je le ferai, Tantine, grande sœur. Je ne suis pas ta sœur. Appelle-moi Amouma, mon nom est Amouma. Ok. Est-ce que je suis claire? Très bien, comme je le disais, je veux que tu nettoies très bien cet endroit. Retire bien toutes ces toiles d'araignée, ok? Ok. Fais-le bien. Cet endroit, c'est fou ce que c'est sale. Rassure-toi de bien frotter, frotter, frotter. Bien frotter dans chaque coin et recoin. S'il vous plaît. Je le ferai. Tu vas bien? Je me porte bien. Je vais bien. Tu vois, travailler, c'est ma nature. Ah oui, dans vraiment. Ce village, tout le monde sait que je suis un grand bosseur. Tu vois, ces pavements, je peux utiliser ma langue pour les nettoyer. Ça va être vraiment brillant. À ce point? Je suis très bon au nettoyage. Ok. Ça c'est bien alors. C'est très bien comme ça. Et tu vois en dessous de cette table ici, c'est très important que tu... frotte, tu frottes, frottes. Je le ferai, tu vois, même ici, je le ferai. Regarde, ça va briller. T'en fais pas, je t'ai dit, je vais les nettoyer. Très bien, je vais tellement bien le faire que tu me donneras raison. Ça va briller. Ouais, parfait. Tu verras. Tu es sûr que ça va? Oui, je vais bien. Bien parce que je n'en ai pas encore fini avec toi. Oui. Il y a encore une autre pièce. Je t'ai dit que j'aime les endroits propres. Faut que je t'emmène dans ma chambre maintenant. Ta chambre? Exact, suis-moi. Ta chambre. Donc je dois se laver ta chambre. Ma chambre. Ok. D'ailleurs, tu vois toute cette parcelle. Laisse-la moi. Laisse-la moi. Va me montrer. Je vais nettoyer. Hey. Très classe. Hey. Ces gens ont de l'argent. Maintenant que nous y sommes, tu vois ces toiles d'araignée là-bas? Tu vois? Et n'oublie pas le plafonnier. Et fais briller le sol. Je crois t'avoir déjà montré comment le faire. Bien. Et il y a aussi ce... Voilà, il y a le lit. Tu devras le refaire correctement. Et assure-toi de... Désolé. Désolé. Tu vas bien? Oh, je me fais mal. Oh, désolé, allez, désolé. Approche-toi. Lève-toi, lève-toi. Viens me faire des massages. Viens me masser, s'il te plaît. Fais-moi un massage. Ça veut dire quoi, t'es massé? Bon sang. Mais quel villageois tu es? Comment masser ta hanche? Déjà, touche-moi avec tes mains. Avec tes mains, tu fais des mouvements circulaires. Allez, ne touche pas mes fesses. Hein. Allez, allez, vite. Viens masser ma hanche. Pardon, c'est comme si... Je dois commencer à partir. Mais qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Est-ce que tu es stupide? Regardez-moi ce villageois. Tu es en train de me faire une farce? Regarde-toi. Sais-tu combien d'hommes crèveraient pour toucher mon corps? Sans parler de me faire un massage. Et moi, je t'offre à toi, un villageois, l'opportunité de me toucher. Et toi, tu hésites, tu me dis que tu ne peux pas? Oh, allez, viens me soulager. Ça continue à me faire mal, allez, viens. Mais madame... Comme ça. Oui. Oui. Ah, c'est mieux. Ah. Pas trop vite, pas trop lentement. Voilà. Ah, un peu plus bas. Voilà. Surtout t'arrête pas si je te le dis pas, hein, tu as entendu? Oh, oh oui, c'est très bien. Très, très bien. Oh. Doubem, qu'est-ce qu'il y a? Bonjour maman. Tu cherches quoi? Tu cherches Doubem? Je cherche Doubem. Tu es en train de courir ça et là comme si c'était ta maison. Ici c'est ta maison? Non maman. Ici c'est ta maison? Non. Respecte-toi. Où vas-tu? Ah! Je vous ai dit bonjour. Je t'ai entendu. Mais Doubem n'est pas ici. Va chez toi. Ok. Maman, je peux l'attendre? C'est à moi que tu demandes? C'est à moi que tu demandes ça? Tu viens juste de me demander ça? Non, maman. Tu m'aimes? Est-ce que moi je suis ton amie? Non, maman. Regarde-moi bien. Je suis comme ton amie? Non. Regarde-moi bien. Dans les yeux. Parce que je cherchais comment te le dire. Je ne veux pas de ta relation avec mon fils. Parce que je ne veux pas de toi. Parce que c'est toi qui l'empêche de m'aider à trouver un peu d'argent. Hein? Va chez toi. Madame l'amoureuse. Oh. Maman. Rentre à la maison. Je sais que tu ne m'aimes pas. Mais je n'ai pas aussi besoin de t'offenser. Mais j'aime beaucoup Doubem, maman. Je l'aime énormément. Tu l'aimes? C'est à cause de toi qu'il ne fait pas quitter le village. Il aurait dû être la cité et faire de l'argent pour moi. C'est toi qui le fais reculer. Beau qu'il est, il aurait dû être à la cité en train de faire de l'argent. Oh. Tout ça à cause de toi. Mais, maman, moi j'ai faim. Hein? Tu perds ton temps à parler avec cette fille. Elle est qui même? Hein? Moi j'ai faim, je veux la nourriture. N'est-ce pas que tu vas directement au champ? Maman, j'ai faim, je n'ai encore rien mangé, je veux la nourriture. Ah, je veux manger. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ah, je ne sais pas. Tout ce que je veux, c'est manger. Ah, je suis fatiguée. Hein? Maman, je suis toujours là. Et donc, je ne parle pas avec ma fille à cause de toi. Onyekego, qui es-tu? Dis-moi, qui es-tu? Pour que j'arrête de parler avec ma fille et que je m'intéresse seulement à toi. Tu me cherches des problèmes, tu m'aimes. Tu me cherches des problèmes. Tu me cherches des problèmes. Désolée, maman. Maman, juste aujourd'hui. J'ai laissé partir un homme très riche à cause de Doubem. Je lui ai dit non. D'ailleurs, j'ai abandonné la maison de mon père. J'ai refusé. Comme tu t'es déjà humilié là-bas, tu ne sers à rien. Parce que tu es inutile. Pas là-bas. Tu n'as pas entendu ce que je t'ai dit? Maman... Je vais te gifler. Mais moi j'ai fait quoi? Tu me... Allez, passe d'ici. Doubem. Je suis vraiment désolée. Hein. Tu sais, tu ne te rends pas compte à quel point tu es beau garçon. Ouais. Merci. Et que peut faire un si beau garçon dans ce village? C'est juste... Tu sais, ces villages, on ne voit pas d'argent. Alors tu sais, aller à la ville est un problème. Alors, je me suis décidé de me battre au village. C'est ça, on ne sait pas ici. Oh, d'avril. Hey. Tu sais, moi je peux t'aider. Tu es vraiment beau. Tu peux m'aider. Merci beaucoup. Dis à Chief que je vais faire ce travail proprement. Je vais nettoyer cet endroit très bien. et après avoir tout nettoyé, qu'il me donne tout ce qu'il veut. C'est gentil de ta part, ne t'inquiète pas, mais là n'est pas le problème. Moi, je m'occupais de toi pour bien préserver ta beauté. Merci. Je veux que tu deviennes mon ami. Et qu'est-ce que tu as à dire à propos? Rien, oh. Rien. C'est une bonne chose pour moi d'avoir un ami qui vit en ville. Quelqu'un de la ville. C'est toujours bien. Pas de problème, ça me plaît. Tu vois comme ton téléphone brille, ta montre, tes chaussures, tout ce qui t'appartient brille. C'est bien, oh. Tu sais, tu pourras avoir toutes ces choses. Voilà pourquoi nous devons être amis. Avoir tout. C'est gentil, oh. Bon, à part ça, j'aimerais que tu me fasses la visite de tout ce village. Ouais, j'ai besoin de commencer à m'accoutumer à cet environnement. C'est pas grave. D'ailleurs, aujourd'hui, je suis pas occupée. Je suis libre. Je peux t'emmener partout où tu veux que je t'emmène, même à la rivière du village. Je vais t'emmener. Gentil garçon. Bon, maintenant, on va dans ma chambre et apporte-moi mon parapluie. Tu sais, je viens de rentrer de la ville et je veux pas qu'on me voie me trimballer comme ça sous ce chaud soleil. Ok. Ce n'est pas bon pour ma peau. Tu as raison. Comme je l'ai dit, va entrer dans ma chambre, regarde à côté du lit, il y a un parapluie. Ok. Apporte-le-moi, ok? Toubem, qu'est-ce qui te retient? Mes chers camarades, battons le fer quand il est chaud. Cette communauté ne peut pas continuer à exister comme ça sans aucun leader. Regardez les communautés voisines. Elles n'existent pas sans qu'aucun leader ne les dirige. Alors, pourquoi devons-nous rester comme ça? Pourquoi ne pas implorer les dieux de se prononcer le plus rapidement possible? Hein? Pourquoi nous attendons? Shevchenko, tu as bien parlé. Chers notables, plus nous perdons du temps, plus notre communauté manquera des représentants dans le gouvernement. Notre communauté est si timide. Considérons ceci. Parce que nous n'avons pas de représentants dans le gouvernement, il n'y a pas de développement dans notre communauté. C'est par le roi qui représente la communauté auprès du gouvernement que le développement va nous arriver. Donc, considérons ce qu'il a dit. Les anciens de notre terre, je comprends parfaitement tout ce que vous êtes en train de dire. Mais la vérité est que nous ne pouvons pas forcer les dieux de notre terre. Nous ne pouvons pas. Ce n'est pas possible. Owen. Chief. Tu es un garçon. C'est pourquoi tu parles comme ça. Tu n'es qu'un intérimaire. Un intérimaire du conseil de cette communauté. Tu l'as d'ailleurs hérité de ton père. En tout cas, si ton père devait être en vie, tu aurais compris ma position. Pourquoi devons-nous laisser ce siège vide comme ça? Et qu'en est-il des biens? Si quelque chose leur arrive, qu'allons-nous dire? Nous avons bien entendu ce que tu as dit. Mais on ne peut pas chercher à les manipuler. C'est ça le problème. On ne peut juste pas chercher à les manipuler. Laissons le Dieu l'accomplir à un moment opportun. C'est si simple que ça. Ou sommes-nous pressés en quelque sorte? Oh. Chief, sommes-nous en quelque sorte pressés? OM, a bien gardé le trône depuis le décès de son père. Rien n'est arrivé au trône. Tout celui qui le volera, il aura affaire au Dieu de cette terre. Que cette communauté reste comme ça. Jusqu'à quand? Hein? En tout cas, j'ai donné ma propre suggestion. Oui, j'ai donné. Si vous insistez, vous pouvez aller de l'avant. Je n'ai aucun problème. J'ai juste donné cette suggestion pour voir si nous pouvons faire ça pour aider notre peuple. Regardez toutes les autres communautés. Pourquoi sommes-nous toujours aussi timides? Pourquoi? Hein? Chef, tu as tout dit. Cher notable, je soutiens à 100% ce que le chef Shenko a dit. Je veux qu'on y réfléchisse au... Ah, tu vas aimer ça. Ouais, je vois que toi tu aimes. Oui, tu dois vraiment en profiter. As-tu déjà été en ville une fois? En ville? Ouais. Qu'est-ce que j'irai faire en ville? Je n'ai personne là-bas en ville. Et tu aimerais y aller? Moi, je peux t'y emmener. Hein? Si tu le fais pour moi, je serai tellement content. Vraiment? Oui. Ah, bien. Et est-ce que tu as une petite amie? Oh, je crois que je connais la réponse. Ok. Cela ne va pas m'empêcher de t'emmener en ville, t'inquiète pas. Hey, je me fiche que tu le fais pour moi. Je serai tellement content. Ouais, pas de problème. Doubem, ça veut dire quoi toutes ces bêtises? Qui est-ce? Chebem. Qui est-elle? Où vas-tu? Je dis qui est-elle et pourquoi tu tiens pour elle le parasoleil comme ça? Tu ne la connais pas. La fille de Chifchenko. Ah, elle vient purement de la ville. Je l'ai fait juste visiter. Elle est la fille à Chief, alors rien de rien. Et alors? Hein? Dis-moi, est-elle spéciale pour que tu tiennes pour elle? Hey, tu t'arrêtes là, je ne te permettrai pas de m'insulter. Doubem, qui est cette fille? Qui es-tu? Chebem, où vas-tu? C'est ce qu'elle t'a demandé? Elle t'a demandé? Qui suis-je? Vas-y, dis-lui. Qui est-elle? Non, elle vient de ses côtés. Peut-être qu'elle rentre à la maison. Chebem, tu vas à la maison. Chebem, elle est mon amie. Hein? Tu veux aller par là? Attends. Chebem, hey. Un moment, s'il te plaît. Hey, mon ami de la ville. Hey, mon ami de la ville. Un moment, s'il te plaît. Non. Chebem. Il était venu récupérer sa vieille caméra. Ah, c'est tout ce que j'ai raté. Mais je le jure, Ezemo va me le payer. Il paiera. Tu as raté, c'est Ezo. Hein. Tu l'as vraiment raté. Que dis-tu? Qu'est-ce que j'ai raté en lui, hein? Non, il aurait pu m'emmener où? Ezemo n'a pas de fric. Son pauvre type fauché jusqu'à la moelle. Un type qui ne peut même pas payer son loyer. Un photographe qui ne peut même pas prendre soin de sa copine. Est-ce que celui-là, c'est un photographe? Pardon, Sandra, je veux qu'on parle. Bonne arrivée. Ma chérie, je m'excuse s'il vous plaît. C'est bon, ma copine. Alors, de quoi veux-tu que nous deux nous parlions? Allez, Sandra, pourquoi tu me parles comme ça? Hein? Malgré tout ce qui s'est passé, je ne l'ai pas pris en considération. Et tu me donnes toujours ce regard. Ce n'est pas juste, non. Hein? Donc la seule offense que j'ai commise est de t'aimer. Tu as toujours su comment attendrir mon cœur. Hein? C'est pas grave. Tu sais, il fait vraiment très chaud ici. Donc je crois qu'il faut que j'aille à l'intérieur, que je me change. Comme ça, on va sortir pour aller dans un endroit bien frais pour bien parler. Ça marche? Hein? Il y a l'espoir maintenant. Voyez comment elle a tenu mes barbes et m'a parlé gentiment. Ouh! Ouh! Ça c'est pour te dire à quel point tu me dégoûtes. Et c'est moi te faut-il un film pour te faire comprendre que je te hais? Allez, dégage d'ici avant que je ne te fasse quelque chose de très mauvais. Tu m'as fait ceci quand je ne t'ai fait aucun mal, Sandra. N'importe quoi, monsieur l'amoureux. Fou! Mais c'est quoi ça, non? Sandra lui a déversé de l'eau. Hé, Jésus! Mais Sandra, pourquoi non? Et pourquoi tu traites ces pauvres garçons comme ça? Ces garçons ne t'ont rien fait de mal en ce que je sache, ok? Quoi? Le fait qu'ils soient venus jusqu'ici, cela montre comment ils t'aiment vraiment beaucoup. Non, 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 non. Ah. Qui parle là? Bella, c'est toi qui ouvres ta bouche? Qui t'a demandé de la ramener? C'est quoi ces problèmes avec moi, Bella? Pardon, pardon. Occupe-toi de tes oignons et je m'occupe des miens. Ne ramène plus ta grande gueule pour venir juger des choses qui me concernent. Ne me provoque pas, oh! C'est quoi ces bêtises? Il n'y a pas de problème, c'est bon, mais je vais te dire la vérité. Ok, il est un enfant et un frère de quelqu'un. Sandra, si tu n'apprécies pas ce gars, laisse-lui partir. Laisse-le trouver une fille qui va l'apprécier à sa juste valeur. Arrête d'être cupide. Tu ne peux pas chez lui quand je vais, c'est un problème, hein? Pasteur, évangéliste, c'est quel genre de n'importe quoi qu'elle dit là? Hein? C'est quoi ces conneries? Pourquoi c'est toi qui prends une cure alors c'est moi qui ai la malaria? Qui sont ceux qui t'envoient? Sont-ils du village? Mais c'est quoi ce genre de bêtises comme ça? Sandra, calme-toi. Bella, je ne veux pas, oh! Ma chérie, calme-toi. Allons-y. S'il te plaît. Laisse-moi tranquille. Je dis, laisse-moi tranquille. Regarde comment tu lui avais mis le parasoleil. Qui est-elle? Ok, c'est parce qu'elle est claire. Et moi, je ne suis pas claire. Ou parce qu'elle met le maquillage et pas moi. Tu n'as même pas pu lui dire qui je suis. Hein? Arrête ça, non? Ce n'est pas ce que je voulais dire. J'étais juste en train de l'accompagner, lui faire visiter le village. Tu sais, elle est une nouvelle. J'étais juste en train de lui montrer le coin du village, le marché et puis... Il n'y a pas de problème. Continue de lui montrer. Elle est une citadelle, moi je suis villageoise. Alors laisse-moi tranquille. Lâche-moi. Chebem, c'est comme ça que tu veux qu'on règle ça? Donc tu ne me suis pas, tu es en train de me regarder, je m'appelle aussi. Ok, t'inquiète. Tu ne veux pas revenir ici? Je sais que je n'ai pas de mauvaises idées, mais si c'est ce que tu veux, pas de problème. Je suis en train de t'appeler, je t'appelle et tu ne veux pas rentrer. Tu ne veux pas rentrer. Tu ne reviens pas. Tu ne reviens pas. Tu es en train de me faire changer d'avis, oh. Tu me fais prendre un autre chemin. Tu me fais prendre un autre chemin, oh. Reviens. Ok, ok. Si je ne veux pas revenir, je prends aussi mon chemin. Je suis en train de t'appeler, c'est ce que tu me fais. Adjebe. Ouais. Shevchenko. Hey. Ouais. Chief, ça c'est pour toi. Ichi Adjebe. Shevchenko. Oh. Ngwa, voici ta part. Hey. Shevchenko. Le futur roi de notre communauté. Ça, c'est moi. Vous êtes les bienvenus. Merci beaucoup. Vous savez, j'ai fait ce que j'ai fait. Parce que je veux que vous compreniez que je suis sérieux à propos de ce que nous avons dit ici. Oui. Un tuf. Oui. Merci beaucoup. Je t'en prie. J'ai trop aimé ça. De rien. Merci, monsieur. Ouais, c'est de ça que nous sommes en train de parler. Shevchenko ici est mieux placé pour être le roi de cette communauté. C'est une chose que toi et moi devons appuyer. C'est pourquoi nous sommes restés pour en discuter après le départ de Okoro. Ouais. Chief. Adjebe. Chef, mon peuple. Voyons ce que nous pouvons faire à ce sujet. Essayons de voir comment nous pouvons développer cette communauté afin d'aider notre peuple. Le temps où ce sont les dieux qui doivent nous dire ce que nous devons faire est déjà révolu. Si nous voulons le développement, nous allons consulter les dieux. Si nous voulons de l'aide, nous allons consulter les dieux. Si nous voulons des routes, nous allons consulter les dieux. Non, si nous voulons construire nos maisons, nous allons consulter les dieux. Écoutez-moi, nous sommes au 21e siècle. Ce n'est pas la période où les dieux vont prendre des décisions à notre place. Nous devons décider pour nous-mêmes. Tant que je reste un politicien dans cette communauté, je veux vous promettre avec véhémence que je vais apporter du développement dans cette communauté. Ou une fois, je ferai de sorte que tous les jeunes de cette communauté trouvent des emplois. Mais bien, je suis prêt à goudronner toutes les voies, mais même dans les champs. Je ferai en sorte que la lumière dans cette communauté reste constante. Ouan, dis-moi, tu n'es pas assez jeune de rester dans cette communauté? N'aimes-tu pas la ville? Ne veux-tu pas aller en ville, faire de l'argent comme tes camarades? Dis donc, de quoi parle-t-on? Hein? Tu ne veux pas faire de l'argent? Chief, honnêtement, je comprends tout ce que vous dites. Mais vous devrez comprendre que les dieux de notre terre ont leur façon de faire les choses. Ils ne peuvent pas être manipulés. Ouais. Nous ne pouvons plus continuer à dépendre des dieux. Les dieux sont silencieux pendant tout ce temps. Est-ce que le silence des dieux nous a apporté un développement? Bah non, pas du tout. Réfléchissons à ça. Alors, dites-moi, comment allons-nous procéder? Une très bonne question. Une très bonne question. Écoute-moi. Tu sais aider comme frère et sœur. Ils s'aiment tellement beaucoup. Tu sais, si tu cherches des problèmes à l'un ou l'autre, ils vont te battre sévèrement. Me battre? Me taper comme quoi? Me taper comme si j'étais un bébé? T'as une idée de qui je suis? Est-ce que tu sais qui je suis? Regardez-moi cette crasseuse qui veut me faire comprendre que Doubem est à elle. Mais moi, je vais lui dire que Doubem est à moi. Regardez-moi cette sale petite illettrée et idiote de villageoise. Alors comme madame sort avec Doubem, ça fait que moi, je ne peux pas avoir le droit de me balader avec lui. Elle ne me connaît pas. Ne t'en fais pas. On verra. Je vais en découdre avec elle. S'il te plaît, je suis désolée. C'est juste que ils s'aiment très fort. Si Doubem avait un peu d'argent, ils seraient déjà mariés depuis. Écoute, je veux que tu lui passes ce message. Va dire à cette idiote, cette villageoise qui sent mauvais de partout, que Amouma est de retour. Et comme le soleil, je vais ensoleiller la vie de Doubem, à tel point qu'il n'aura pas le choix que de la quitter. Tu m'as entendu? Oui. Fais-lui passer le message. Ok, c'est noté. Et alors la nourriture, je mets ça où? Va déposer là-bas. Merci, je m'en vais. Bien, n'oublie pas de passer le message. Ok. N'importe quoi. Quand le cœur a un problème, la face le montre. L'anus ne sort pas de la saleté avec un sourire aux lèvres. Que rien ne trouble ton cœur, ma fille. L'avenir a déjà été écrit. Chibem, qu'est-ce qu'il y a? Rien, maman. Ma fille, dis à ton cœur que rien ne se passe. Même quand je peux bien observer ton cœur, l'amour restera à jamais une merveilleuse chose. Peu importe ce qu'il en est, quoi que ça nous fasse du mal, on n'y jamais le fait. Je crois que ce fou ne t'a pas touché. Maintenant, dis-moi, qu'est-ce qu'il a fait? Tu ne veux pas parler, hein? Hein? Chibem, ne dis pas que je t'ai pas averti. Ma fille, essuie tes larmes. Je sais que tu sais que je saurai toujours. Ce qui te dérange, qu'est-ce qu'il y a? C'est Chibem. Depuis que tu as rencontré ce garçon et tu es tombée amoureuse de lui, plus rien ne te fait pleurer, excepté lui. Ma fille, l'amour ne cessera de nous faire pleurer. Je ne sais pas du tout ce qu'il t'aurait fait. Mais s'il te plaît, trouve un endroit dans ton cœur et pardonne-lui. Papa. Chibem n'a pas pu lui dire qui je suis. C'est que je remarquais chez lui. Depuis que la fille du chief Chinko est venue au village, il la suit presque partout. Il lui a dit que je suis son ami. Chibem ne lui a pas dit qui je suis pour lui. Juste parce qu'elle provient de la cité. Ce n'est que le début.